Bonjour tout le monde, ici Yacupon pour Rivasan Studio. Aujourd'hui, encore une fois, comme tous les lundis depuis bientôt un mois ou ça fait un mois. Je perds la tête moi aussi. Non, bientôt un mois si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est bientôt un mois. On s'en fiche. On revient sur Skull. Le petit roguelite sympatoche, difficile, qu'on a du mal à l'avancer, oui. On a du mal à l'avancer parce que il est difficile ce jeu, dis donc. Aujourd'hui je pense que ça serait bien d'avancer sur les statistiques, on va dire, primaires, telles que ces trois-là. Les PV, ça peut être utile, hein. Et après on verra si je vais loin, si je peux débloquer des stats un peu plus fortes. Comme ça là. Détruire les parchemins ou ressusciter une fois, ça peut être pratique. Ou alors, lors de l'échange, je crée un bouclier de PV, voilà. Ça peut être cool. Juste pour gagner un petit bouclier de PV et être, on va dire, un peu plus à l'aise. Donc c'est parti. Le jeu est dur. Oui, je vois bien le singe de pierre, c'est parti. Il est sympa. Lui aussi, il est bien, mais bon. Vu qu'on commence avec le singe de pierre, ce serait bien de se faire déjà quelques os. La poudre explosive, toujours bien. Hein. Et la pierre de haine. Donc en fait, si je me fais toucher, là, les gens, ils vont souffrir. Augmente apparemment l'attaque physique et magique. Et j'ai pas eu le temps de lire le reste parce que c'est pénible. Aïe, aïe, aïe. Ça va un peu vite, parfois, les affichages. Hein. Bon, c'est pas très très grave, je vais pas non plus pleurer, même si j'en ai largement envie, mais... Ça va le faire. Je crois que c'est à chaque fois qu'on rentre dans une salle, vu que là, il est en train de s'arrêter. Vu que c'est pas à chaque fois que je tue quelqu'un. Donc oui, je pense que j'ai une augmentation de dégâts physiques et magiques quand je rentre dans une pièce. Soyons honnêtes, c'est pas ouf si c'est vraiment ça. Parce que bon, rentrer dans des pièces c'est bien, mais parfois c'est mieux de les analyser pour savoir où on va et qu'on ne fasse pas de bêtises. Allez, un crâne. Ah, la goule. J'aime bien la goule, mais aujourd'hui, ouais, on va essayer de jouer celui-là. Voilà, on va jouer le singe de pierre. Merde, ils sont en train de régénérer. Non, c'est la vitesse d'attaque, ça. Hop, tout ça va. Donc je vais essayer de fracasser les autres. Et on prendra la vie en dernier, si on y pense. C'est bon. Tout le monde est décédé, donc on est parti. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? La prière de grâce. Accélère le rechargement des compétences. Bon. C'est toujours gratuit, je l'ai même pas faite encore. C'est celle-là. Allez. On se remet tranquillement dans le bain. On essaie de faire attention dès les premiers niveaux. Ça sera toujours plus pratique et sympathique. Pour vous et pour moi, de ne pas mourir dès la première seconde. Parce que... La semaine dernière, il y a eu des choses très bien. On a atteint le troisième boss sans le tuer. Même si, sur une run, on l'a un peu mis dans la panade. Donc c'était cool, hein. On avait un petit peu avancé, je vais dire. Pas méga, méga avancé. Mais y avait du bon. Je suis content. Ah, la vitesse d'attaque, elle a bien augmenté quand même. Aïe! Non, franchement, depuis la semaine dernière, je suis très content de ce jeu. Bon, pas forcément que la semaine dernière, mais... C'est vrai que plus on y joue, et plus je suis à l'aise aussi. Donc c'est important de se sentir à l'aise sur ce genre de jeu. On va prendre de la vie, hein. C'est bête à dire, mais c'est ce qui peut nous faire défaut très très vite. Bon, ça va, lui, je le trouve simple. J'aurais dû le faire sur lui. Aïe.
Je pensais pouvoir sauter plus vite, bon c'est pas grave. Aga. Tiens, prends mes doubles. J'ai sauté trop vite. Prends les doubles. Aga, les doubles. Bon, je saute plus, c'est pas bon. On se barre ou... Tiens. Non, j'ai pas réussi. C'est pas grave, tout va bien. Aga. Kage Bonshin, no jutsu, comme dirait Naruto. Bon, ça va pour l'instant. Bon, j'ai pris 2-3 coups, mais c'est normal, faut se remettre dans le bain. Et puis, j'avoue que je l'ai fait à la bourrin, j'avais envie de l'éclater, point, c'est tout. Pour que le Yeti lance la boule de neige. Ah, c'est pas mal la boule de neige. L'attaque. J'ai pas besoin d'attaque magique. Je vais peut-être prendre la boule de neige, ouais. Essayez d'avoir au moins une quintessence à chaque fois. On va augmenter le petit, là. Passer niveau 2. Yeah. Malheureusement, pas de nouvelle attaque. Avec cette évolution, mais peut-être quand on passera niveau 3. Aïe. Peut-être quand on passera niveau 3. La vitesse d'attaque, c'est vraiment fun avec celui-là. Genre... J'aime bien le jeu. Je m'amuse. Et si je m'amuse, c'est déjà pas mal. T'imagines ? Bon, je joue un jeu, mais ça me fait chier. Bon, tu vas me dire, c'est ce que j'avais fait... Bon, je vais pas dire que ça me faisait chier, mais... Quand il y a quelques années, j'ai fait... Super Mario World, alors que je déteste Super Mario World. Je sais pas ce qui m'avait pris ce jour-là, je sais même plus si j'avais perdu un pari ou si je l'avais fait juste parce qu'on m'avait dit « Oui, oui, bah, ce serait bien que tu le fasses », je sais plus. Je m'en souviens pas. Mais quel supplice ce jeu. Mais quel supplice. Oh là là. Les gens qui disent « Moi j'aime bien Super Mario World », bah dis donc. Je sais pas, moi, c'est pas mon préféré, ça c'est clair. Après, bon, rétrospectivement parlant, c'est pas le pire. Mais je trouve que c'est pas le meilleur. Hein. On va dire en rétro, pour moi... j'ai oublié le numéro, je crois que c'est le 2, avec Wart, à la fin. Où on commence à jouer Peach et Toad. Enfin, ils n'étaient pas jouables avant. Alors, attendez. Lorsqu'un maximum de dégâts supérieur à 50% des PV maximum d'un ennemi... Ah, lorsqu'il inflige, pardon. Un pic jaillit de la cible et inflige des dégâts magiques aux ennemis proches. Je l'ai jamais pris, ça. Le virus abyssal, ça me dit rien du tout. Bah, j'ai envie de prendre le taux de critique. Parce que, ben, le reste m'intéresse pas trop, cela dit. Désolé. Où on, en fait, c'est un des meilleurs jeux Mario parce que juste, mais alors vraiment juste pour ça, hein. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les bruits. J'aime les bruits chelous. Mais alors, Peach qui soulève un navet et qui le balance et qui fait Yo! Moi, ça m'avait fait mourir de rire à l'époque. Hein. J'avais fait l'espèce de pseudo remake sur la Game Boy Advance, mais j'étais ravi. Mais alors, ravi. Un des meilleurs jeux de toute ma vie. Et un des jeux de mon enfance, surtout. Quand j'étais gamin, au final, j'ai pas fait beaucoup de jeux vidéo. Déjà parce que mes parents préféraient me voir dehors. On voit que ça a bien fonctionné. Je suis enfermé chez moi aujourd'hui pour jouer à un jeu vidéo. Même si, soyons honnêtes, hein, j'étais tout petit, ils avaient acheté une console pour eux. Une vieille Mega Drive. Oh non, le clown. On va le prendre. On va le prendre en cas. Parce que c'est bête à dire, mais j'aime vraiment beaucoup le jeu, quoi. Après, j'ai pas vu de quel niveau il était.
Ah, je crois qu'il est niveau 2. Ouais. Comme mon singe. Ah, j'aime bien jouer le clown. En plus, j'ai des objets avec un petit peu, j'ai bien dit un petit peu d'attaque magique et ça peut bien fonctionner par rapport au singe qui n'est que physique. Après, on l'aime bien le singe, mais. Mon dieu, c'est la première fois que je l'esquive du premier coup, celle-là. Ah, je me suis trompé ou? Ouais, je sais. Après, le double est meilleur avec le singe, j'ai l'impression. Aïe, on va revérifier. Si je fais plus de dégâts avec le. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'avais pas vu que ma compétence était les. Bon, je sais pas, je dirais que les deux se valent. Hein. Enfin, je sais pas si vous de l'extérieur vous voyez une différence entre les deux, si. Mince. Ah, deux fois. S'il y en a un qui tape entre guillemets plus fort que l'autre, mais. Moi, de comment je fais, j'ai l'impression qu'il perd. Quasiment autant de vie. Non, je sais pas. Ah! Je sais pas si je suis touché, s'il meurt en fait. Si l'attaque continue. Bon, c'est pas grave. On prend de la vie. Oh! Le Seigneur Corbeau. Oh, c'était très bien le Seigneur Corbeau. J'avais beaucoup apprécié le jouer. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on continue sur le singe? Oui, parce que les objets peuvent se changer plus vite vu qu'ils sont pas entre guillemets intéressants. Ah mince, mais j'ai pas de. On va voir. On va voir, mais je trouve que les deux se valent. Ah, go le corbeau, vas-y, chick! Vas-y, chick! 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 Il y en a partout! Ah, je fais n'importe quoi, je perds! Allez-y les corbeaux, check. Voyons voir si j'arrive à mieux m'en dépêtrer pour la prochaine salle avec celui-là. Ah les corbeaux. Oh le sablier. Mais j'ai pas des bons objets. Enfin. Ouais, c'est presque pareil, j'ai envie de dire. C'est pas que j'ai pas de bons objets. C'est pas ça. C'est. Mes objets sont pas transcendants. Pas mal de vie pour pas grand chose. J'aime bien cette musique du château, je trouve vraiment sympa. Ah, saleté d'assiette, c'est bon. Lui il fait quoi déjà? Il me donne un objet? Je sais plus. Oh. Je me rappelle pas des bonhommes. Ouais, c'est ça, c'est un objet. J'ai bien fait. J'ai bien fait parce que c'est l'attaque physique et le critique. Mais comme j'arrive toujours pas à me décider entre mon singe et mon clown. Oh, je trouve que le singe est vraiment sympa. En fait. Ouais, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Tu sais, je commence à m'y faire à ce satané archer. Ouf. Moi je t'avais pas vu charger ton coup. Ah mais si les deux le font en même temps aussi, c'est un peu dur. Ah mais les corbeaux ils sont là pour m'aider. Hein. Je les aime. Regardez-le. On prend de la vie parce qu'on est un peu nul. Augmente la vitesse de concentration. Je ne sais toujours pas ce qu'est la vitesse de concentration, cela dit. Je sais pas. Ça c'est bien. On va le prendre. Si quelqu'un qui connaît le jeu sait ce qu'est la concentration, ben. J'ai envie de dire que je prends parce que je sais pas du tout. Oula.
Je sais pas du tout, ouais. Ou du moins, je n'ai pas compris ce qu'était la concentration. Ce qui est dommage de... d'avoir bientôt plus... Non, ou à peine. Bientôt plus... Bon, bref. Environ 10 heures de jeu et ne pas savoir ce qu'est encore la concentration. Donc, s'il vous plaît, dans le chat, aidez-moi à résoudre ce mystère qu'est la concentration. Parce que sinon, il dirait que c'est le temps de recharge de la compétence. De la quintessence, pardon. Ou des compétences. Ouais, je vois pas ce que c'est. Ah, merde! Pardon. J'ai tellement pris le coup gratuit pour pas grand-chose que ça m'a énervé. Je m'en sors pas mal, hein, pour... par rapport à la semaine dernière sur ce niveau. Je sais que ça avait été la galère... Je sais pas, la semaine dernière, c'était peut-être pas ma semaine. J'ai eu du mal à avancer. Même si au final j'ai atteint le troisième boss, tout ça, je trouve que j'ai pas mal de mal à avancer. T'arrives. Le petit bois, on le prendra un jour quand on l'aura en départ. Bon là, je suis désolé par contre, mais je vais appuyer sur RB. On va appuyer sur le bouton pour gagner. C'est le bouton qui gagne. Et oui, c'est lui. Amenora. Ben, ça a pas fonctionné plus que ça. Je pensais que ça ferait plus de dégâts. Bon, elle est mi-vie, hein, je suis d'accord. Mourez ! Ah, S1. Ah, j'ai réussi à annuler l'autre, cela dit. Je l'ai pas vu. Aïe ! Je suis le méga singe. Nous sommes 28. Regardez mes chevaliers, ils font tchic tchic tchic. Je sais pas combien il y en a. Je sais pas combien il y en a. Mais ils sont beaucoup. Ah, mais c'est quoi la concentration? Mais c'est quoi? Putain, m'énerve. Ah, tant pis, je vais prendre les os parce que je sais pas ce qu'est la concentration. Et d'un côté, j'ai bien fait. Parce que comme ça, au moins, poup. Bon, non, je l'avais avant, mais... On passe niveau 3. Et joli comme ça, en plus. Ah, j'ai une nouvelle compétence. Oh, punaise, c'est chouette. Et ça fait encore plus de dégâts. Très bien. Eh ben, on va essayer de choper des crânes pour être niveau 4. Ah, les servantes, arrêtez de m'embêter avec vos assiettes! Ils se font ruiner par mes corbeaux. Vas-y, chick. Vas-y, chick. Ouais, non, mais maintenant le... Ah, ça étourdit mon coup de bâton, c'est cool, ça. Mais il reste pas un ennemi? Si. Il reste un ennemi, mais je peux quand même... Je peux quand même y aller. D'accord, soit. Pourquoi pas. C'était bizarre. Ah oui, non, ça faut l'enlever, par contre, parce que c'est assez pénible, là. Aïe! Aïe! Ah non, c'est vraiment chouette. Ouf. Je l'ai vu se préparer à attaquer, mais j'ai pas esquivé. Idiot bête. Ouf. Non, je t'étourdis! Tu t'apprends pas sur le sol! Satané, garde armée. Ah, je suis content, je perds pas trop de vie, ou alors je la regagne assez vite avec les ennemis autour de moi. Oh non, le génie. Un jour, le génie, on l'amènera niveau 4 aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de succès Steam, c'est amener des héros au niveau maximum. J'ai à peine regardé les succès Steam du jeu. Et... Il y en a beaucoup, j'ai l'impression, c'est amener une classe au niveau 4. Donc c'est cool. Oula. Allez, tape. J'ai pas étourdi le machin. J'ai été très bête.
Mais oh, je l'ai pas vu faire. Il était tout rouge à cause de mes corbeaux. Vilain corbeau. Alors l'or c'est bien, mais ouf, allez c'est parti. Ah, c'est bon. C'est géré. Je me suis un petit peu fait dessus. Allez, vite. On enlève le bouclier. Comme ça, au moins, nous, on le gagne. Ah, punaise. Non, non. Non, 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 pas la boule. Bon, ça va. Je pensais qu'elle me... Elle m'embêterait beaucoup plus que ça. Bim. Et c'est le ventilateur. C'est l'attaque du ventilateur. La fameuse. On arrive au boss là. Tranquillement, mais sûrement. Allez go. On arrive sur les... Sur les deux vilaines. Et j'ai pas assez d'or parce que j'ai visé beaucoup d'os. Bon, c'est ma faute, hein, mais. C'est pas grave. Ça va le faire. Ça, c'est non. Mais alors, c'est un grand non. Ça, c'est. Ça, c'est la carotte pour. Certes, je vais avoir beaucoup d'or, mais c'est la grande carotte pour me faire avoir. Hein. Donc, c'est non. Par contre, je veux bien un nouveau trésor, si possible. Ouais, un nouveau trésor pourrait m'être utile. J'aime pas cette salle, je sais pas pourquoi. Ah, mais... Je pensais qu'il allait mourir, l'archer. J'étais assez déçu. Allez-y, mes corbeaux. Ah, cool, je vais avoir un buff de je ne sais quoi. Non mais ça va pas toi. Non toi tu arrêtes. Je t'en remercie. Alors c'est un buff de quoi? Un buff de vie non? Ouah non c'est des os, pardon. C'est des os. Oh, la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement. Ah ça y est on commence à devoir changer des trucs. Bah je vais enlever Oui je vais enlever ça parce qu'au final je gagne pas grand chose hein. Désolé. Bon. Les deux nanas. Les deux sœurs. Est-ce qu'on va y arriver tranquille ou pas? Ça c'est une vraie question. Parce que sont pas très commodes. Je les aime pas. Pardon pour le curseur. Allez go. Paf, pif, pif. Je me concentre un minimum. Allez, c'est parti. J'ai raté. Paf, pif, paf. Ah. Oh, pour l'instant, ça va. Ouf. Je les ai pas vus faire. Ok, jusque-là, tout va bien. Les corbeaux font leur travail, hein, petit à petit. Ça, c'est cool. Hein. Cette attaque. Je pensais ne pas être en range. C'est vrai. Bam bim bam bam bim boum. Ah mais les clones, parfois c'est très cool. Puis reste très longtemps. Ah. Elle arrive un peu vite.
c'est pas trop mal, hein. Même si je suis une vie et que c'est pas très très cool, ça. Oh! Et puis quoi, elle fait ça, hein. Je sais pas laquelle il faut taper. Ah, bah elle est par terre et saine du nez, donc tout va bien. Oh non, ma soeur elle est morte. Allez, on fait encore gaffe, hein. Parce que là elle est très énervée, madame. Mais pourquoi j'ai sauté dedans? Oh là là. J'ai failli ressauter dedans. Je fais n'importe quoi, tout va bien. Ouf! Elle est très très pénible, elle, sans déconner. Ouf. Ah, j'ai peur de pas y arriver. Ah ben j'ai la peur de gagner, oui, elle est là. Allez, tapez-la, tapez-la. Allez, mes doubles. Oui. Pardon. Moi, j'étais content. Moi, j'étais content. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bah, ça le fait, tout ça, là. Non? Oui, c'est bon. On est content. Ah, le spectre de la mort. Non. Ah, est-ce qu'on va encore se retrouver avec le petit bug où j'apparais juste à côté, genre pip? Oui, voilà. c'est dommage qu'il ait pas refait ça. Bon, je peux pas augmenter mon singe. Il faut que j'aille choper des os. Et surtout, faut que je fasse gaffe. Il y a de la régène. Mais oh! Voilà, c'est rude, hein. Pif pif. Il me faut de la vie. Comment je fais? Je sais. Ah là là! Non! Ils sont un peu pénibles, les ogres. Il faut que je fasse gaffe que ça me pète pas au visage aussi. Enfin, ce niveau est un peu difficile pour ça. Hein. Faire attention que les trucs que tu tues, bah, ils vont te péter au visage. C'est pas évident. Toi, ça va? Tu fais des câlins ou... Tu fais des câlins, machin. Oh, la moto. La moto, c'était rigolo, faut le dire. J'ai bientôt tous mes crânes, cela dit. Je vais peut-être viser un trésor. Blaf. Oh non, j'avais pas vu. Allez, ça part. Ah non. Ils vont l'invoquer, ils vont l'invoquer, ils vont l'invoquer. Non, 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 non. Vite. Ok. Chance. C'était une sacrée chance. Oh! Que j'ai pris, là! Non! Ah, il est vraiment dur, ce niveau. Oh! Les attaques d'objets réussies augmentent l'attaque physique. Mais quelle attaque d'objets? Ah, genre ça, là. Bon, ça, ça dégage. Bon. C'est pas les meilleurs objets que je me tape là. Hein. Non! Oh là là. Ok, c'est bon. Déjà, ils invoquent pas le machin. Moi, c'est ça commence à être la catastrophe là. Ah, bon, bah super. Alors, soit j'attends là et.
Bon, on va peut-être pas attendre. Allez-y, mes corbeaux. Non, ça va, les corbeaux font leur taf. Hein. Oh la vache. C'est vraiment mes meilleurs potes. On va prendre des os. Essayer d'être... Oh là. Ah, par contre, quand ils explosent, ils font pas semblant. Hein. Non, pas les fioles. Ah non, pas les fioles. Ah, les esprits, c'est... Oh. Je prends des dégâts pour rien. Ah là là. Barrez-vous! J'ai du mal à les toucher! Non, faut vraiment que j'aille tuer le truc en bas. Aïe. Bon, bah, c'est parti. Je pourrais avoir de la vie, s'il vous plaît. Oh! Un crâne légendaire. Oh non, c'est le ninja. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. Oh, je vais avoir de la vie. Oh oui. Ok. Je peux pas avoir d'objet. Génial. Je ravis. Mais là, c'est pas grave. Oh non, pas ça. Peu importe si c'est fort, c'est trop dur à faire ce truc. Qu'est-ce que c'est en plus? Lors d'un sprint, dégâts magiques. Allez, c'est bon. C'est la petite bombe là, ou je sais plus quoi. C'est non. Je vais pas perdre de la vie en plus. Déjà qu'il faut que j'en récupère beaucoup trop. Ok, ok. On voulait pas, mais faut aller plus vite. Ah mais... Mais mince! Oh non! Oh mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ça explose de partout! Mais oh! Ça, c'est dur sans déconner. Mais quel niveau à la hein? Bon, oh, je crois que c'était pas moi qui faisais ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Donne 20% de chance de congeler les ennemis sur lesquels on atterrit. Est-ce que je peux changer un truc bien? Oui, ça. Hop là, super le mid-boss et j'ai 48 points de vie. Je me sens bien. Bouh. Ah, va y avoir de tout partout. Hein. Ouh là là, on s'en va. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. C'est n'importe quoi. Ouh là là. Ouh là là. Et au final, j'ai tué deux personnes. Ah, j'arrive pas à toucher. Mon dieu, c'était la grosse panique, mais j'y suis arrivé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le champion. Hop, on va faire ça. Et on va voir ce que ça donne. Je l'ai supprimé au lieu de le prendre. Bête, super. C'est... Bravo. Bravo, idiot bête. Bon, au moins je peux passer niveau 4, mais... Mais quel idiot bête. J'aurais pu le faire et bon, c'est pas grave, allez. Waouh. Et voilà, petit succès, fantôme élusif. Voyons mes doubles... toc, 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 toc... Voyons ce qu'ils font mes doubles. Ah, il dure vraiment longtemps. Il y a de la congélation. Il y a de ça. Ah, ils sont vraiment bons, les petits doubles. Mais bon, là, il me faut de la vie. C'est... J'ai pas d'autre choix que de survivre. J'ai fait exprès parce que ça allait être le bordel avant, hein, de toute façon, donc hop. Pourtant, faire tous les... Aïe. Ok, c'était nul. C'était la pire idée, je pense.
J'ai dire bon, vaut mieux péter toutes les fioles maintenant, bah pire idée. Plus jamais. J'en ai marre de ces esprits à la noix là. Pour être poli. Ah bon, bah je suis mort. Oh! J'ai pas eu de bons objets. Je suis très déçu. Mais j'ai eu pas mal de quartz. On va essayer de se réconforter là-dessus. Donc on va monter ça. Niveau max. Niveau max. Toc toc. Voilà. Allez, on va prendre l'arbre. J'aime pas le bouclier. Ce que j'ai. C'est très dommage parce que j'avais bien avancé. À ce niveau, c'est un peu le bordel, hein, cela dit. Lorsqu'un ennemi est vaincu, récupère des PV. Oh! Faut aller vite alors. Faut aller vite et bien. Et on va essayer de faire l'arbre. Fais l'arbre, Laura! Tu dois faire l'arbre, Laura. Ah, mais. Oui, si je fais ça avant, c'est bien. Hein. Plonk. Il tape fort, hein, le petit arbre. Hein. La poudre explosive, le retour. C'est pas mauvais, quand on se fait toucher, on a un revenge. Mais... Pouf, pif. Non, il est pas mal. Ah, en place. En plus, j'ai du poison, bon, ça peut être pratique. Aïe, 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 aïe. Un peu déçu de la fin de la première partie, mais je suis allé loin et j'ai eu du quartz. Donc l'un dans l'autre, j'ai envie de dire, allez, c'est gagnant quand même. J'aurais voulu atteindre le dernier boss. J'étais presque, à cela dit. Enfin, je sais pas si j'étais à la moitié ou si j'y étais presque. En tous les cas... Oh, le petit voleur. Le voleur aussi, ce serait bien de le jouer jusqu'au bout une fois, voir ce que ça peut donner. J'ai pas assez d'items. Yes. C'est quoi la quintessence? Oh, la blague nulle. Non, merci. C'est pas ouf, la blague nulle. Bam. Bim. Bam. J'ai oublié d'esquiver sa flèche, donc c'est un peu dommage. Mais, oh, j'ai pas sauté. J'ai voulu esquiver en avant. Mais je fais exprès, c'est pas possible. Elle essaie de me pousser dans ces pièges là. Elle a beau mettre des pots. Ouais, voilà, je l'ai pris parce que bah, elle avait sur elle. Qu'est-ce que je fasse? Allez! Bah, pourquoi elle tire là? Mais tu es folle, madame! Mais madame, vous êtes folle! Oui, ça c'est bon, oui. Enfin un truc d'attaque parce que le singe, ok, il faisait. Il faisait mal, mais je pense qu'il aurait pu faire encore plus mal s'il avait eu de bons items. Tous mes items étaient un peu passifs, c'était pas... Ouais. Oula. Bon ben, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'est dommage. Bon, par contre, là, je prends des dégâts un peu à la... Non, mais c'est pas possible. Oh non, mais... Ouais, ok, bah, j'ai perdu la moitié de ma vie juste sur cette... Juste sur ce tableau, parce que bah, j'ai été nul. Il y a pas d'autre mot. Ah, le crâne de glace, il était vraiment chouette. Je m'étais vraiment amusé avec. On le rejouera à l'occasion. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est très chouette, ça. Le fait de mettre des pics de racines sous les ennemis. C'est vraiment sympa. Hop là. Ça me permet de pouvoir faire autre chose, en fait. Est-ce qu'on prend le gâteau? Non, ça va le faire. J'ai du critique. Accélère le rechargement de la quintessence de 50%. Augmente les PV maximum. Ça, ça peut être très bien. En fonction de la quintessence qu'on va choper. Et en plus, ça me file des PV. Ouais. Ah, j'avais pas vu que c'était le bouclier. Faut vite fracasser ça. Ah!
vite péter le truc du bouclier pour être tranquille. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Je veux le trésor. Donnez-moi le trésor. J'ai failli me refaire avoir, cela dit. Oh! Mais oh! Mais... Mais... Arrêtez! Je fais que du caca. Ah là, la nullité a été très forte. Je vous interdis de clipper ça. Oh! Ombre, l'esprit des ténèbres te suit et inflige des dégâts. Allez! Vas-y! Parce qu'on m'a dit que la dernière fois, les... tout ce qui était objet, conte de fées, tout ça, c'était très fort. Eh ben, je vous laisse faire, je vous crois, et je vais essayer d'avoir les esprits. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais j'espère que je vais en avoir beaucoup. Allez, go! Bon. Il fait de bons dégâts le rond-moi. Aïe 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 aïe. Oh là. J'avais oublié qu'il visait comme ça le premier. Du tout. Oh, mais l'ombre, il lui a fait des dégâts monstrueux. Vas-y, ombre. Et non. Et non. Aïe. Et non. Et non. Aïe aïe aura. C'est qui parlait comme ça? Ah oui, c'est dans Okami. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas ses mains. Aïe. C'était très cool. Petit arbre deviendra aussi grand que lui, peut-être. Oh là là. Oh là là. Oui. On va jouer physique, oui. J'ai pas beaucoup d'os pour passer niveau 3, cela dit, mais là, je cogne. Le monsieur vient d'exploser tout seul. Bim, boum, bam, boum, bim. Pif, paf, aïe, aïe, aïe. Arrêtez avec vos assiettes. Et ces âmes, là, c'est... C'est particulier. Ah, c'est un très bon objet que j'ai. Aïe, 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 aïe. Et non, tu m'as pas eu. Petite... Oh non, le génie. Ah, c'est vraiment chouette, le génie. Je m'étais vraiment amusé. Oh là là, mais les dégâts que ça met. Hmm. Mais j'ai juste... Je l'ai même pas touché. J'ai pas touché, je me suis approché, ça, il a explosé. Mais ça fait deux fois. Deux fois que j'approche quelqu'un et qu'il explose. Bah, fait, pour moi, ça me... moi, ça me va, mais... qu'est-ce que j'ai fait, là? Oui. Déjà le marché? On va voir s'il n'y a pas une quintessence sympa avant. Kilivan. Utilisez quintessence pour lancer l'épée de Kilivan qui inflige des dégâts physiques. Lorsque l'épée de Kilivan touche un ennemi, téléportez-vous près d'elle et frappez avec pour infliger des dégâts physiques qui augmentent la vitesse d'attaque de... Ok, c'est bon, vendu. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu ça. Bah, je peux prendre la... Je prends la vie. Et on va de suite tester notre quintessence. Ah, ya. D'accord, elle part tout droit. Et je me suis pas TP dessus, pourquoi? Ah, c'était quand elle touche un ennemi. Je lis. Aïe, ah, oh. Ah, ça se recharge vite, cela dit. Ça peut être bien. On va voir. Aïe, ah, ah, et aïe. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, je trouve rigolo le petit arbre.
Aïe, ça c'est fort. Oh la vache, ce qu'ils ont pris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, par contre, je comprends pas tout ce qui se passe, mais j'ai ma vie, fin... Mais il explose, je l'ai même pas touché. J'ai pas touché, monsieur, j'ai pas touché. Mais... Elles vont exploser. Je vais pas me plaindre, c'est fort, mais... Aïe, ya. Oh, mais c'est épais. Le pire, c'est que les gens croient que j'overreact, mais je suis vraiment comme ça, quoi. Genre, oh là là. Bon, le mid-boss, ça risque de pas être une... La partie de la limonade. Aïe, ya. Je me suis bien fait avoir là. 2 et 3. Ah, j'ai pris la flèche à la place. Mince, j'ai envoyé mon épée, mais dans le vide. Oh, mais. Voilà, je me fais un peu toucher pour rien. Bah, tu m'as poussé dans la vie, donc c'est sympa, madame. L'explosion de mana. Ah, c'est quoi cet objet? Battre un ennemi donne 20% de chance de créer une explosion qui inflige des dégâts physiques. Augmente les PV max. Allez, on me prend. Mais je suis hyper tanky. Oh non! Il manque 3 euros. Et bien, on verra après les. Après les demoiselles de Rochefort. Hein. J'ai tapé dans un mur, mais ça les a tués. C'est fort ça. Hein. Aïe, ya! Ah, dommage. Je me suis fait avoir. Pouette. Pouette, 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 pouette. Aïe, ya! Oh, mais ces boules de lumière. Ah, mais je peux le faire en l'air! Mon combo. Patata, 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 ta. Et c'est le retour de la goule. Non merci. C'est bon. Au moins j'ai 38 os, je pourrais devenir un assassin de renom. Oh là là. Tu me fatigues toi. C'est le blob. Il fait quoi déjà le blob? Il change pas une de mes compétences? Oh je sais. Ça me fatigue, il y a trop de gens. Il y a trop de gens qui m'aiment. Aïe, 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 aïe. C'est bon? Il n'y a plus personne? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut le slime? La vase magique. Puisque tu m'as sauvé, je vais te rendre l'appareil avec de la magie. Voyons voir. Et ce truc-là, c'est pour du coup, je choisis ça. Ah non, s'il augmente un de mes objets, c'est ça? Ou il le double? Il m'a doublé mon objet légendaire. Ah oui, quand même. Augmente l'attaque magique de 45% pour chaque esprit possédé. Il me le faut. Il me le faut parce que j'ai un esprit. Donc on enlève ça. Ah oui, non mais attends, c'est fort ça. Je prends. Hein. Oh non, c'est Assassin's Creed. Pas Assassin's Creed, mais c'est quoi? Mauvais œil. Oh non, c'était pas fou en plus. C'est, il fallait absolument stun et cette quintessence, j'aime bien. Donc, non. Pas pour l'instant. Désolé, petit bonhomme, je vais pas t'aider. Par contre, faut absolument que je régène. Oh, punaise. Oh, non. Oh, mais c'est de l'objet. Bon, on s'en fout. J'ai assez d'objets, on va viser l'or. Mais il a explosé juste en me voyant. Oh, mon Dieu, c'est super arbre. Les deux ont explosé parce qu'ils m'ont touché ou parce que j'ai fait un truc? Je ne sais pas. Aïe, ya! Oh, mince. Mais oh, je l'avais pas vu qu'il était derrière lui.
Mais c'est pas possible, cet archer, il vise trop bien. Je veux des os. Oh, de la régène de vie. Zouche. Elle est où, la régène de vie? Elle est en dessous. Elle est là. Aïe, ya. Mais... Bon. Ah là, je me suis bien trompé, par contre. Ah, c'est pas très grave, hein. Il est pas mauvais, le petit crâne. Hein. Ah oui, non, je tape du sang. Mais, plus que bon. Mais j'ai un peu fait de la merde. Balabalabam, pam, 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 pam. J'aime bien cette musique. Bon, encore un marché. Ah non, non, c'est fini. Eto, hein. J'y crois pas beaucoup. Certes, je vais leur faire mal, mais il faut que je les touche. Et avec celui-là, ça va pas être évident. Donc, bonne chance à moi. Hein. C'est tout. Mais j'y crois pas beaucoup. Ah, surtout que j'ai mon esprit qui fait des traits violets, je vais croire que c'est elle qui me tape. Ah, ça va être mauvais. Oh là là. Ah, ah ouais, non, là, ça va être dur. Ah, elle est touchée, ça va être chaud. Tiens. Ah non, j'avais pas vu que le trait était au sol. Ouais, non, là ça va être très dur. Ah, ils l'ont pas fait ça tout à l'heure. Enfin, ou alors je m'en rappelle pas. Tiens. Alors, au fond. Aïe, 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 aïe. Aïe. J'ai pas mal de choses pour... Ouf, je pensais pas qu'elle irait si vite cette épée. Déjà? Mais ce que je lui ai mis? On va pas se plaindre. On se plaint pas, c'était juste... Oh, je suis très étonné. Voilà, on va faire ça comme ça. Allez. Aïe, 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 aïe. Oula. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Tu mourras pas, tu mourras pas. Bon d'accord, hein, tu m'as eu. Ya. Tu m'auras pas. Aïa, aïa. Je saute. Je saute. Et tu fais quoi quand je saute? Eh ben tu fais rien. Aïa. Elle saute. Aïa, aïa, aïa. Je sais pas combien j'ai pris de dégâts. J'ai vu un gros chiffre rouge. Mais je suis vivant. Eh, petit arbre niveau 2, hein. Même pas niveau 3. Il est fort, petite arme. Oh là là, ma vie. C'est quoi? C'est Jeannot Lapin. Preuve d'appartenance. Lors d'un échange, augmente la vitesse d'attaque de 6% et le taux de critique de 2% pendant 12 secondes. Maximum de 60% et 20% respectivement. Ah. C'est-à-dire que si je peux échanger de crâne très vite, je peux faire monter le truc, puis remonter le truc, puis remonter le truc. Malheureusement, ce n'est pas ce genre de choses que j'ai. Bon, on retourne au niveau 3. Plutôt rapidement, j'ai envie de dire. Donc tant mieux. Et je peux passer niveau 3, parce que je suis super arbre. Ah. Ouf. Ah oui. Ah oui, on sent bien le fruit, là. Damn. Ah, je vais essayer de pas mourir, mais... Je suis super arbre, hein, je peux pas... Bam! Bam! Ah ouais, non, mais c'est pas... Bam! 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 Et oh, qu'est-ce que vous faites, là, vous? Arrêtez ça de suite, vous arrêtez la sorcellerie! Ya! Yeah. Ya! Yeah. Hey, mais c'est vous! Tu me donnes un objet, moi? Ouais, allez. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Lors de l'utilisation d'une compétence, créer un orbe de feu. Je vais remplacer...
Je vais remplacer... Ouais non, j'ai marré avec ça. Bon, je remplace pas. Enfin... Si, mais... Je refais de suite. C'est dommage qu'on puisse pas annuler la prise d'un objet. Oh là! Ah, c'est l'armure vivante. C'est pas mal, l'armure vivante. Le peu qu'on a joué. Il faut vite me déplacer. Il faut trouver le truc là. Voilà, ça vite. Alors, il y a eu du dégât là. Merde, pardon. J'essaie de faire attention au truc qui m'explose au visage, hein, mais. Oh! Ah, c'est le truc qui envoie les shurikens! C'est pas mal ça, de souvenir. Ah non, mais je veux le faire! Enfin, je vais essayer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Hop là, c'est bon, c'est bon. Aïe! C'est bon, on passe, on passe, on passe. Ah, 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 c'est la panique, ça y est. J'étais dans un bon rythme et... Mais on va jusqu'où, là? C'est bon. Oh, oh non, j'enlève ça, déjà. Attends, quoi? Non! Non! Non, j'ai merdé! Ah, mais je suis bloqué, super. Oh non, je vais perdre là-dessus. Oh, le dégoût d'un homme, hein. Oh non, je pensais vraiment que... Que ça passerait. Je suis dégoûté. Je me suis dit, ouais, pourquoi il y a écrit inspecter ? Je pensais que ça allait enlever tous les pièges. Ah, mais ça dure 3 ans et demi aussi. Non ! Après, je ne peux pas perdre. J'ai fait le temple du roi blanc, je sais pas quoi, dans... Dans comment ça s'appelle, dans Hollow Knight. Je ne pouvais pas perdre. Oui, mais j'ai raté un truc. Oh là là. Et j'ai mon objet pourri, parce qu'en plus, il faut que je l'échange, j'ai oublié. Oh là là. Ouais, j'ai enlevé ça. Parce que balancer les shurikens, ça fait encore plus de dégâts physiques et c'est cool. Mais, de la vie. Ah, je m'en veux tellement. Oh, ah non, ça c'est un esprit. On dit oui à l'esprit. On dit oui à l'esprit à la place de... Ben, ça. Ah, j'ai deux esprits, ça peut être fort. On vise l'or. Ah, je suis dépité de ce qui s'est passé. Ben, je vais attaquer. Ah, je l'ai vu exploser l'autre, mais... Il se passe des trucs! Arrêtez d'exploser, merci. Ah! Non, 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 non! Arrêtez de m'embêter! C'est bon, c'est fini! Oh, donne-moi de la vie, toi! Je t'aime. Oui. Oui, donne-moi de la vie, oui. Oui, bye. Oh, de la vie, bravo. Tu es vraiment ma super copine, Alpheline. Quel chaos aujourd'hui! Mais quel chaos! Oui. On va prendre des crânes, hein. Faudrait que je passe niveau 4. Aïe, ah,
Et il m'a touché, hein, vilain. Non, non, non. Non, 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 je ne veux pas décéder. Non, non, non. Laissez-moi survivre. Ah, le mid-boss. Yes. Je pense qu'on va pas s'éclater. Hello, Sarayaki. Bah écoute, ça va. Gros bordel sur Skull, mais j'aime bien le jeu, donc ça me va. Allez. Je sais pas qui visait en premier, cela dit, là. Hein. C'est un peu compliqué. Je vois l'autre essayer d'attaquer, là. J'ai tué qui? Je ne sais pas. La prêtresse. Ok, c'est déjà pas mal parce qu'elle est pénible. Ah, j'ai annulé son attaque à lui. Mais je les atomise. Aïe. Tiens, je suis super arbre. Prends mon point de la vengeance. Tiens. Non. Ok, c'est bon. Toujours grande panique, mais ça fonctionne très bien. L'œil, c'est non. Oh là là. Augmente de 35 les PV maximum des crânes de puissance. Je suis un crâne de puissance. Alors. Bon, on va prendre celui-là. C'est une augmentation qui est beaucoup plus forte. Donc, go. Désolé la petite épée, tu es très forte, mais j'ai trouvé un peu mieux. Ça a l'air en tout cas tout en finesse à mon point. Ouais, c'est la première fois que je joue méga arbre comme ça, là. Et et c'est très drôle, cela dit. Fait du moins, moi, ça m'éclate. Ya, ya, ya. Ya. Yeah. Non, il y en a derrière. Ya. Yeah. Ah, je pense que là, je suis très très bien stuffé, cela dit. Les esprits en cas, ils me... Ouais, non, là, c'est trop bien. Oh. Ouais, non, là, c'est le chaos, là. C'est... Bonjour, bienvenue à Chaosland. Oh, la vache. Après, moi, je trouve ça marrant. Non, j'avais pas vu qu'il explosait. Et encore, j'ai même pas fait mon... j'ai même pas fait ma quintessence. Ah, le motard. Toujours drôle aussi, le motard. Hein. Je veux de l'or. Mais bah vas-y, hein, décède sur le piège. Moi, ça me va. Hein. Paf. Aïe, 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 aïe. Ah! J'avais pas vu l'arbre. Non, non, non. Ok. Ça va, les alchimistes, quand tu les fracasses juste avec un coup de poing, c'est pratique. Hein. Ah, j'aimerais bien tuer le... Ouf, lui, il est pénible. Donc, non, non, non. Non, pas les esprits de... Non! On dirait des boues, mais sous stéroïdes. J'ai eu un très bon réflexe, cela dit, de sauter. Je sais pas si c'était la meilleure des solutions, mais ça fonctionnait. Hein. Allez, on vise un trésor. De la vitesse d'attaque, je dis pas non. Oh là là, oh là 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 là. Arrêtez de m'envoyer vos flacons de... de cacharelle, là. Augmente la vitesse d'attaque de 55% pendant 3 secondes par mort. Ah là là. C'est un très très bel item, mais je pense que j'en aurais pas besoin avec celui-là. On prend la vie, toujours. Et je me fais avoir parce que je ne peux... Oh non, ça c'est fort, ça. Bon, c'est pas grave. Allez. On va essayer de... Oh non. Non, non, vous avez pas le droit de faire ça, non. Bah écoute, restez là, hein, y a pas de problème. Je serais bien que ça va s'écraser sur vous. Ou pas. Non, ça s'écrase pas. J'ai joué à assez de Mario comme ça pour savoir que les murs qui montent arrivent à redescendre aussi. Mais quel imbécile. Non, apparemment il redescend pas. Mais c'est pénible, les ennemis qui explosent dès que tu les tues. Déjà que c'est compliqué.
Non, ne créez pas Jean-Louis David, là. Aucun rapport avec les cheveux, mais... Oh, punaise. Oh, punaise. On vise les os. Non. Ah, je l'ai vu. Plof, plof. Oh, mais sans déconner. Ok. Oh, mais... Toi, t'es pénible. Mais mince! Mais y'en a combien qui vont tomber, là, du ciel, à travers les nuages? Quel heureux présage, tout ça, là. De souvenir, la dernière fois qu'on était passé par là, c'était un peu trop. Oh, je suis trop grand. Je suis trop grand, je prends tous les pics. Il reste 4 ennemis, je sais pas où ils sont. Oh putain, ils sont en bas. Mais je me suis refait avoir. Ah, il en reste qu'un. Il meurt ou pas? Oh non, faut que je redescende, sans déconner. Mais je t'entends, mais fais un effort, décède, merci. Ça doit être un espèce de vol... Mais non, c'était un arbre! Qu'est-ce que tu m'as embêté? Oh là. Bon, on va rester là. Mais... Mais c'est pique à la noix, là! Oh. Oh, un crâne légendaire. C'est le berserker. On va voir ce que ça donne. Ouais, ok, c'est la même attaque que l'arbre. D'accord, là il explose et là il fait un gros truc. Bon, ben tu m'en veux pas, mais mon super arbre, c'est un super arbre. Donc, prout. Allez, c'est parti. On va se faire fracasse par le boss, là. Parce que j'ai pas de vie. C'est très difficile, en fait. T'arrives sur un boss et t'es moitié de vie, tu fais comment, en vrai? Et en plus, je peux même pas ressusciter pour le moment. Du moins pas encore, un jour peut-être. Aya. Je vais faire attention à ce qui tombe du ciel, comme je peux. Essayer de... Ah mince, je l'ai vu le vomi du ciel, mais... Ah, elle est vraiment dure, elle. Faut regarder ses pattes, faut regarder sa tête, faut tout regarder, c'est pénible. On recule, on regarde ce qui tombe du ciel. Jusque là, ça va. C'est... Ah ! Vas-y, super arbre. Je recule parce qu'elle risque de me taper avec sa patte. Le vomi. Je suis un idiot bête. J'ai fait ma quintessence alors que j'étais même pas sûr de... Oh là là, oh là là, ce qui s'est passé! Et je l'ai mis mi-vie cette fois-ci. Ouais, super. T'es censé éviter ça comment, là? Regarde-moi ce bordel, je fais comment? Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est dommage, on n'a pas réussi à avoir méga arbre niveau 4. Bon. Eh, hey, mais je sais pas comment je dois tuer ce truc, en fait. Mince, je suis tombé le bouton. Ok, donc déjà on a tous les premiers au niveau 10. J'avais pas assez pour ça. Ouf. J'ai failli avoir des regrets là. Le rechargement de la quintessence, les PV max, les PV max. L'échange, ça pourra être utile pour plus tard. Allez, on reprend. Oh, le retour du singe. Tu me donnes quoi d'autre? Oh, le loup. Bon, on va essayer d'avoir super loup. On l'a jamais eu, super méga loup, je crois. Encore la poudre explosive, c'est ma journée. Et lors d'un échange, augmente temporairement la vitesse d'attaque. Bon, ça peut être bien. Ouais, j'ai beaucoup souffert là, Nino. Ce boss est très, 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 très dur. Mince, si je prends pas la porte. Ah, il est très dur, et en plus. Enfin.
Niveau temps, ne serait-ce que pour y retourner, mais ça me prend 3 jours et demi, quoi. J'ai fait deux parties, une partie où j'ai atteint la zone 3, et bon, celle que je viens de faire avec la chimère. Mais la chimère, elle est un peu dure. Je pense qu'un objet de... L'objet qui dit qu'au bout de 3 kills, tu récupères un point de vie aurait été sympa, tout simplement parce que il fait pas mal d'AD. Et que les AD auraient pu peut-être un peu me soigner. Après, mon stuff était bon. Qu'est-ce que c'était cool. Je lui ai mis beaucoup de dégâts, mais peut-être que je manquais de vitesse d'attaque, de déplacement, un truc pour survivre, je sais pas. Ça fait que 2-3 fois que je la fais, la chimère. Elle est vraiment dure. Encore le singe, ils veulent me le rendre, hein. T'es sûr tu veux pas le singe? Il est bien le singe. Bah le loup aussi il est pas mal. En vrai. Ah. Mais par contre ouais, je sais pas ce qu'ils ont avec la poudre explosive aujourd'hui mais... T'es sûr que tu veux pas la poudre explosive? Après, c'est comme beaucoup de jeux qui utilisent la RNG. J'ai entre guillemets peur. Que la RNG se base aussi sur la date du jour, l'heure et tout ça. Il y a beaucoup de... Enfin, je sais que le peu d'études en informatique que j'ai fait, il y a des fonctions de random qui utilisent le jour, l'heure et tout ça. Dans leurs données. Oh non, l'arbre! Bon, on va mettre l'arbre de côté, voilà. On va mettre l'arbre de côté, en cas, mais je vais essayer de jouer le loup. Ah! Dommage, j'aurais pu avoir un nouveau crâne, c'était Othello. Othello. Et ils veulent me refiler le singe, hein! C'est un beau item, je dis pas, mais calmez-vous! Oh non, pas le ninja. Enfin... Je suis content de faire le ninja avec le loup et pas avec l'arbre, cela dit. Parce qu'avec l'arbre, l'enfer. Ah, il l'a refait. Ah, j'ai pris le chou. Mais j'ai repris le shuriken, je suis bête, moi. Le ninja il est pas difficile mais il peut être très vite pénible. Et voilà. Allez, on passe à autre chose. L'alchimiste, c'est rigolo l'alchimiste. La blague nulle, c'est non. Et les recharges. Non, de compétences, non. On va viser les os. Même si. L'alchimiste est sympa. Hein. Bon, on va essayer d'avoir le loup niveau 2. Pour le random, oui, te servir de l'heure et du jour, ça peut être pratique dans certains cas. Genre, si tu veux ajouter un item sur une plage. Mais généralement, ça se sait sur un jeu si la RNG n'en est pas vraiment une. D'accord. Parce que c'est vrai que, en fonction des parties que je fais sur le jeu, là... Depuis 2, 3, 4... 4... Bon, c'est le quatrième stream. Mais, Eh bien, idiot bête. J'ai l'impression que la semaine dernière, il voulait bien me filer le clown. De souvenir, la semaine dernière, on a eu beaucoup de clowns. Là, on l'a eu une fois. Après, bon, ma poule d'objets est pas folle, elle est pas très grande, mais... Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de parties où on m'a dit « Ouais, joue les pays, s'te voir, joue les pays, s'te voir. T'es sûr que tu veux pas jouer les pays, s'il te plaît ?» C'est pas grave, hein, en soi. Hein. Je fais mon choix après, mais... Ah, la momie. La momie, on la rejouera peut-être un autre jour, mais... De souvenir, c'était vraiment pas fou. Hein. Oh là là. Pourquoi ils sont tous dans un goût ?
Check, 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 check. Check, 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 check. Ah, un bon objet pour le loup. C'est cool. Oui, on va prendre de la vie, c'est toujours bien. Oh non, j'aurais pu prendre ça. C'est quoi la quintessence? Me transformer en vase. Oh non, je l'avais fait une fois, c'était pas génial. Par contre, je veux bien l'or. En début de partie, avoir l'or, c'est cool. Hein. Et là, en plus, en fonction du crâne, j'aurai 30 crânes pour après l'arbre. Donc ça peut être très cool. J'aurai le loup niveau 3. Le loup qui a quand même une très bonne vitesse d'attaque. Attention, non, j'aurai pas le loup à la fin. Merde! Check. Ouais, il a une très bonne vitesse d'attaque. C'est chouette. C'est dommage, j'aurais pas mon loup de niveau 3 à 3 crânes près. Je suis un peu déçu. J'ai pas... Attends. Si, je crois que j'ai un item qui fait que je suis meilleur en l'air. À vérifier. Check. Ouf. Ah, j'ai vraiment du mal avec ces mains, hein. C'est dingue. Hein. Parce que c'est pas très dur, hein, en soi. Et il le refait. Mais... Check. Oui, y'a pas à suer, je suis meilleur en l'air. Hein. Enfin, du moins j'ai un stuff qui fait que mon attaque aérienne est balèze. Oula. Check. Eh ben... Je me suis fait les griffes sur cet arbre, mais alors littéralement... Hein. Oh la vache. La quintessence du javelot, voyons voir. Ah, ya! Ouais, bon, d'accord. C'est pas mal. Ah, et si je le ramasse, ma quintessence est... nice. C'est dommage, cela dit, pour les crânes. Mais j'espère l'avoir après le mid-boss. Ah, ils ont largement plus de vie. Je l'ai vu, la glace au-dessus, tu crois quoi? Ah, j'ai pas vu les boules de feu par contre. Aïe. Oh. Mais j'ai oublié mon javelot, il est parti de l'autre côté. Oh non. Pardon. Quel drame. Drama. Ah! Aya. Oh merde! Je pensais pas qu'il traversait les ennemis! Bon, c'est pas grave. Ah, cool, j'ai un objet. Ouais. Mais je me suis mis dedans, mazout. Non, mais c'est pas possible, je fais exprès aujourd'hui. Enfin, sur cette partie. La première, je prenais pas trop de dégâts, la deuxième non plus. Non. Voilà, cette fois-ci, je viens de parler. Oui. Ah ben ça, c'est le virus abyssal que je n'ai pas compris comment il fonctionnait. Lorsqu'il inflige des dégâts supérieurs à 50% des PV maximum d'un ennemi. Mais qui? Qui est... Oh là. Résus? Légende de l'arène. Vas-y, j'ai envie de le jouer, ça a l'air rigolo. Ah, désolé, c'est un crâne légendaire, hein, le loup, on verra plus tard. Surtout qu'il y a une barre qui se charge en fonction de...
Nanu. Oh. Alors c'est fort et pas fort, parce que je ne peux pas trop bouger quand je tape. Aïe. Mais j'ai apparemment de très très bonnes attaques. Ouais. Mais mes attaques sont bonnes, mais alors... Oh, mais j'avais pas vu ma vie. Qu'est-ce que ça? L'os de rapidité. Les attaques critiques infligent un montant fixe de dégâts supplémentaires. Les bonus de dégâts de cet objet augmentent de 30% ou 100% selon le nombre de crânes de vitesse possédés. Mince! Augmente les PV maximum de 35, les dégâts infligés font mal et congèlent les ennemis aux en... Ouais, la congélation, on aime, hein. Bon, bah ce crâne est... particulier. Bon, je vais réessayer une salle avec, mais... J'ai peur de prendre trop de dégâts. Ouais, bon, là, le... C'est bête à dire, mais le javelot, il a fait des dégâts, quoi. Ouais, j'aime pas le fait d'être immobile quand je tape, en fait. Tant pis, on repasse au loup. Tchac, tchac, tchac. Tu vas pouvoir congeler et au moins bouger pendant que tu tapes un petit peu, quoi. Enfin, avoir une meilleure mobilité que les points. Et on a droit à... Alors, on fait ça. On change, parce que ça me donne beaucoup plus de crâne de prendre ça. Et qu'il me faut mon loup de niveau 16 000. Si possible. Ouais, et puis j'ai pas l'impression de faire moins de dégâts avec... Ouf. Ouais non, là ça s'est pas même passé. Là. Ah là, il y a eu du bête là. Ah, c'est satané, les archers. Oh non, c'est le mid-boss, j'ai pas de vie. Ouais, ninja et soldat, youpi. Il est où l'autre là? Bon, bah... Ouais, pas assez de vie. Mais c'est le coup de poing, tu vois, le coup de poing, il m'a mis dedans. Bon, c'est pas grave. Ah, le coup de poing n'a pas été plus que bénéfique, là. je peux prendre un truc et améliorer en même temps... La quintessence. La quintessence peut être très très forte, hein, cela dit. Oh oui. Jig, jig, jig. Ah, je l'aime tellement, le... Il est tellement cool, le génie. Il est cool. Malheureusement, c'est pas l'attaque magique, le... Ah non, c'est des dégâts physiques. Oh merde, ma souris. Mais ma souris, elle monte toute seule maintenant. Avec mon nouveau tapis de souris, elle bouge. J'aime pas. J'aime pas qu'elle fasse ça. Bon, on va prendre l'objet, mais... Au moins la vitesse de déplacement après le sprint. Très bien. Allez, c'est parti. Ah, c'était pas la meilleure partie. Hein. Le loup était bon, mais... Je me suis fait avoir par mon... y arriver par le champion. Je pense que ça peut être très bien le champion, il n'y a pas de problème, mais au niveau du style de combat, le fait de pas pouvoir bouger dès que tu mets et que limite t'es obligé de mettre tout ton combo sur une personne, ça m'a dérangé. C'est pas grave après, hein, ça arrive. Et allez, du sprint. Ça me fatigue. J'ai pas l'impression que ce soit un très très bon objet en fait, c'est le problème. Aïe. Non. Check, check, check. Ah, le génie, il est vraiment chouette. On va essayer de bien jouer pour garder le génie. Dit le type qui est mort comme un caca en disant « Ouais, allez, on joue bien. » Plusieurs fois. Dans la journée. Après, j'y peux rien, je suis mauvais, je suis mauvais. Oula. Je l'avais pas vu en dessous. A priori, la RNG est critiquée sur le jeu, mais comme je connais pas trop les termes du jeu, je ne sais pas trop comprendre. Pas trop comprendre en quoi. Bah, c'est pas un reproche que je fais, c'est juste que...
J'ai l'impression, oui, que c'est une fonction RNG qui se base beaucoup sur le jour et peut-être l'heure, ouais. Après, c'est pas grave, hein, en soi, hein. Je m'amuse énormément. Mais c'est vrai que dans une journée de stream, bah, je peux retomber sur quasiment les mêmes crânes. Hein. Après, oui, j'ai une... J'ai une run tout à l'heure, sans déconner. J'avais un objet légendaire qui tapait très très fort en physique. Et je suis tombé sur un bonhomme qui a pris un objet au hasard et qui l'a dupliqué. Et c'était mon objet légendaire. Donc, oui. J'ai eu beaucoup de chance sur cette run. C'est dommage de ne pas l'avoir amené à bout. Ou du moins avoir battu la chimère. Pour voir ce qui se passait après le jeu. Après, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Je vais améliorer mon personnage sans forcément trop le vouloir. En ayant mon quartz noir, et voilà. Je ferai de mon mieux, et quand je pourrai plus augmenter mon personnage avec le quartz noir, eh bien... Je pourrai gagner des nouveaux objets, des nouveaux crânes. Et s'il faut, ils seront meilleurs que ce que j'ai de base, et voilà. Ça fait partie du roguelite, hein, malheureusement, de mourir. C'est même parfois une molle... Oh non, le motard. Ça fait parfois... Non, je préfère ça. Ça fait parfois même partie du jeu de mourir dans un roguelite. Ah, il m'en faut que 30, ça. À prendre un objet. Il me faudrait de l'argent aussi. Altsuenya. Ah mais ces voleurs, ils sont tellement énervés, c'est dingue. Hein. Calmez-vous. J'ai raté. Oh, j'ai tellement raté. J'ai perdu de la vie inutilement. C'est pas... Oh, Jack in a box. Ah, mais c'est l'or d'un échange. C'est l'or, pardon, d'un échange. C'est dommage. Il est chouette, le génie. T'es bon en anglais? Ouais, je me... Alors. Je vais pas dire oui, je vais dire ce que je dis d'habitude. Je me défends. Et parfois, je comprends tout, et parfois, bah, y a des termes qui sont très techniques, et que je n'ai jamais pu, entre guillemets, voir... Oh, mais tellement de... Oh, il me fallait du fric! Ah, punaise! Ça, c'est fort, ça, c'est fort! Ça, c'est... Je sais pas... Ah oui, si, c'est le bouclier, c'est fort. Ah, tous les objets étaient bons, là. Ah, j'espère qu'ils reviendront et qu'ils me font un petit coucou. Aga. Oups. Mais ouais, il me tarde de passer mon génie au niveau supérieur, cela dit. On l'a déjà fait, le génie maximum? Non, je crois pas, hein. Je me souviens pas. Alors, je vais lire ce que tu m'as mis. Drawing a weak skull early on, for example, or simply a skull you don't enjoy using, effectively scuppers any given run from the outset. It feels like poison to be dealt by him immediately after responding. And the reward you're unlocking as you accrue your proper points are so incremental as to be very noticeable. Adding tiddly percentage point to your attack power and millisecond decrease of cooldown at the time. Oula, c'est plus que effectively scuppers. Déjà, j'ai du mal avec le verbe scupper. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Any given run from the outset. Et je comprends pas le sens de la phrase. En gros, il dit que oui, de prendre un crâne très faible en début de combat. En début de run, ou de dire non, entre guillemets, à un crâne que tu ne veux pas. Enfin, moi je comprends la phrase de ce sens-là, mais s'il faut, c'est l'inverse. Hein. Apparemment, ben, ça forgerait la RNG du jeu à moins te le donner. Moi, c'est ce que je comprends. Et les récompenses que vous débloquez au fur et à mesure que vous accumulez des points violets sont si progressives qu'elles sont à peine perceptibles, ajoutant de minuscules points de pourcentage à votre puissance d'attaque. Ouais, la fin, je l'ai compris, mais je voyais pas le... entre guillemets, le rapport avec... comment ça s'appelle?
Le rapport avec la RNG. Après, c'est vrai que plus je vais avoir de crâne et tout ça, mieux ça va se faire. Hein, mais... C'est bon. Les mêmes l'enfer. Les dégâts sont pas là par contre. Hein. Oh, mais c'est pas vrai, mais ses mains, j'ai un mal fou à les esquiver. Et c'est pour ça qu'il le refait. Vilain, et allez. Vas-y. Je fais exprès. Hein. Non, ça sort du milieu. Ok. Bah, par contre, je me suis fait toucher, j'ai dashé. Oh. Je te l'ai traduit en deux fois. Ah, pardon, j'avais pas vu le premier. Excuse-moi, je le verrai après le boss. Par exemple, le fait de tirer un crâne faible au début du jeu ou tout simplement un crâne que vous ne voulez pas fait échouer n'importe quelle course dès le début, cela... Ouais, bon. Ok, je comprends plus la phrase, pardon. Je savais pas que Scutter vous était un synonyme d'échouer. Non. Oh, c'est bon. Bon là ça tombe du ciel donc je m'en fiche un peu. Je peux continuer de tapoter. Allez. Ok. Ça a été un peu la cata mais c'est bon. Et je peux pas augmenter mon crâne. Ce qui fait que je suis faible. Oh, l'esprit du feu! Je pensais que c'était juste le truc du volcan, l'espèce de bague. Au final, non, c'est l'esprit du feu. Oh, c'est pénible. Ce que je comprends, c'est que dès le début d'une run, si tu as un crâne faible, tu peux abandonner tout de suite. Donc, c'est pas basé sur l'heure ou le jour, mais tu dois avoir des items que tu peux avoir que selon comment ta run commence. Merde! Ça, par contre, c'est un problème. Parce que si c'était vraiment RNG encore, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que si tu démarres avec un crâne qui pue et qu'au final ta run pue derrière, bah, je trouve ça un peu dommage. Et ça tue même littéralement le principe d'un roguelike ou light. Donc... Ouais, c'est bizarre. Après, on fait avec ce qu'on a. Hein. Enfin, c'est mon point de vue. Ouais. Understood. Merci Nino pour ta clairvoyance là-dessus. Et je pourrais augmenter mon crâne. Au final, je l'aime beaucoup trop. La musique elle est trop folle. J'aime bien ce genre de musique. Satané archer. Non. Ah là, j'ai tout pris. J'ai pris l'onde de choc et j'ai pris le coup de hache. Ah ouais, là, faudrait vraiment que j'augmente mon crâne. Ça commence à devenir un peu pénible. Les objets sont pas très bons. Ou si, je sais pas, mais dans tous les cas, bon. J'arrive pas à en faire grand chose. Je prends trop de dégâts pour rien aussi. Non, là c'était bien. Mais c'est pas vrai. Love. Oh! Mais tu vas le prendre ce coussin, oui. C'est les... On a rien vu, pareil. J'ai tellement bien, putain. J'aime tellement comment il se joue. Oh non, le crâne de glace, il est Ford. Pourquoi je pète?
Ah, c'est sûrement la fleur que j'ai mangée. Golem d'acier. Utilisez la quintessence pour que le golem d'acier lance un point qui inflige des dégâts physiques. On l'avait déjà eu une fois, c'était pas... Ouais, je préfère me prendre un objet. Augmente... ça... Lors d'un double saut, largue une bombe. Oh, les étapes sont fous. Eh ben, je vais garder mon argent, tiens. Oh, mais j'aime tellement le jouer, lui, c'est fou. On va le jouer jusqu'à ce que je puisse augmenter mon génie. Parce que le génie sera un peu meilleur après, je pense. Après, j'ai de la range. Ah, quoique. Arrêtez avec vos assiettes. Prenez des petits cadeaux, là. Voilà. Qui sont tous tombés par terre et pas là où vous étiez, donc je suis content. Oh, c'est pas possible. Ah, la reine des servantes. Enfin, la reine. J'aime bien dire que c'est la reine des servantes. C'est pas fou. Mais bon, ça peut lancer une vague de congélation, donc on verra. Ouf. Elle est où la deuxième mère de servante? La mère de servante. C'est la matriarche de les servantes. Je sais jamais comment les appeler. Après, je pourrais trouver un prénom un peu à la con, genre Gisèle. Désolé à tous ceux qui s'appellent Gisèle. Enfin, du moins toutes celles. À moins qu'il existe une version masculine de Gisèle. Mais ça me dit rien. Ouh là 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 là. Oh non. Bon, excuse-moi ma sœur, mais là... C'est un nom. Oups, j'avais pas vu qu'il tenait sa main, celui-là. Elle est où? Ah, je suis mince. Elle a disparu de devant moi. Allez, une à moi. Sans déconner, je me suis fait toucher par ça. Oh. Waouh! Oh, la congélation, ça lui a fait bien mal. Hein. Le roi Jenkins. Check, 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 check. Ah, mais le clown est tellement cool à jouer! Ah, le retour du singe! Ça faisait longtemps. Oh, l'énigme! Ouais, l'énigme, c'était marrant. C'était pas fou, c'est vrai, mais c'est rigolo. Allez, je suis. Je suis. Le génie de niveau 2. Il a le swag, regardez-le. Quoi. C'est quoi son RT? Ah oui, c'est un grand point. Ta 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 ta. Ah, et ça congèle! Nice! Sachant que j'ai un item pour congeler aussi, ça peut très bien comboter. Au final. Aïe! Bien fait d'esquiver. Mais les dégâts manquent, hein, c'est... C'est fou, ça. Oh, non. Bon, ça va. J'en fais un fromage. Ouf. Oh, prends l'énigme. Oh, l'énigme. Ouais, l'énigme. Je sais pas trop ce qui s'est passé là avec l'énigme, mais c'était pas ça, quoi. Tu veux pas mourir du feu, toi? Oh, tu meurs pas du feu. Donc tu vas me casser les noix, merci. J'apprécie beaucoup. Tout.
Benoît, lui, le comprend autrement, que le crâne que tu as au début est très important pour la run. Un bon crâne fonctionnera, alors qu'un crâne nul restera nul dans tous les cas. Ah ! Tant pis. Je prends ça. D'accord. Bon, au final, je sais pas trop quoi en penser. Chaque objet... Non, cet objet gagne une inscription aléatoire. C'est bête à dire, mais je vais prendre ça parce que je vois pas d'autres choses bien là. Pas trop la fête au niveau objet encore, hein, bon. Ah, je commence à avoir une bonne vitesse d'attaque sur la étape. Ah, mince. Mais... Satané archer, hein. On le dira jamais assez. Satané archer. Ah, héro, ah, héro, ah, ya. Ça me fait tellement penser au moine dans Diablo 3, cette attaque. Quand il utilisait l'épiphanie. Oh non, c'est la salle de... C'est la salle de la... Ah ! C'est la salle où on s'amuse pas, ouais. C'est bon ? Ok, on se barre. Ah, le crâne de glace ! Promis, on te rejouera le crâne de glace, mais pas aujourd'hui. Oh, mais non, mais je suis sur les deux, là ! Allez, on va sortir ça. Ouais, tant pis, mais là, les deux, elles risquent de me taper très fort. Je pense qu'après, si vraiment tu veux savoir, tu peux pousser la recherche sur le fonctionnement. Ben... D'un côté, j'ai envie, d'un autre, je me dis, ben... J'arrive à m'en sortir, entre guillemets, comme je peux. Sur ce jeu, je l'aime bien. J'ai pris un temps. Je suis un peu con. J'essaie de me débrouiller comme je peux et... J'essaie de faire fonctionner les crânes, du moins. Je vais pas recommencer juste parce que, bon, bah, ma sélection de premier crâne est mauvaise. Déjà, c'est pas trop mon style de faire ça. Et deux, j'en ai vraiment pas envie. Oh ! T'avais prendre des énigmes, voilà. Ah bah tiens, c'est l'énigme. Je fais n'importe quoi. Ouais, l'énigme, vas-y. Ouais, l'énigme. Elle était très forte, cette énigme. C'est une énigme de niveau S. Non. La roulade m'a sauvé la vie. Je vais essayer de me concentrer, je suis un peu n'importe quoi. Non! Ah, je l'ai vu faire, mais... Ah non, mais je pense que je vais pas passer. Mais c'est pas possible, je vais dedans. Non, je pense que je vais pas y arriver. J'ai roulé dedans, mais c'est pas possible, hein. Je fais exprès, peut-être, hein, d'être nul. Tu veux pas aller dans l'énigme ? Ah, l'énigme ! Pardon. Ça me fait rire. Oh, mais c'est pas vrai ! Mais je l'ai enlevé que ça comme vie! Oh mon dieu, mais quelle catastrophe! Allez, vas-y, vas-y! Ouais, bon, allez. J'ai soif, donc... Je vais pas lancer de... Ouais, si, je vais lancer une pause, comme sur moi, quand je remonterai la vidéo, je l'enlèverai. Je reviens dans... Allez. Même pas 2-3 minutes, de quoi juste m'étirer le dos, les jambes, de boire un coup. Je reviens. Allez, à tout à l'heure.
Me revoilà. Ce sera plus facile pour le montage. Bon, Kata. Ça a été un peu la Kata. Bah, j'aimerais bien avoir les derniers, mais il faut avancer très loin dans le jeu pour avoir plus de... Oh bah, retour de super arbre. Non, pas le piquer. On verra une autre fois. Ça c'est fort, de la défense. Et ça c'est fort, c'est de la magie ou de l'attaque en plus. Et qu'on fait un bouclier de PV de 100. Bon! On a vu mieux comme départ, mais on a vu largement pire. Donc c'est pas mal, allez, on se... objet. Allez, on va faire des objets. Ah, c'est vrai qu'ils ont le bouclier. Attendez, je reviens. Voilà, je reviens. Ah, vivement qu'il passe niveau 2 quand même, l'arbre. Voire 3, parce que c'est vrai que c'était rigolo. Il met des grosses tatanes. Ah, j'ai plus le même... j'ai plus la même compétence que tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Oh, mais ça, il me le file de plus en plus, ce parchemin. Il est pas fou, il est pas mauvais. Il est sous hoquetière quand même, je trouve. Et piou. Ouais, j'arrive à dire qu'il est sous hoquetière. Oh, c'est pas grave. Eh, j'avais demandé un trésor, j'ai pas eu de trésor, j'ai eu de l'or. Et oh, ça m'a bien, moi. Ok. Ça serait bien d'avoir un crâne au moins pour passer niveau 2. Dès qu'on recroise Madame l'araignée. Ça, ça serait bien par contre. C'est les grosses tatanes hein, qui met. T'es le loup, au revoir. Bon, moi je pourrais passer niveau 2. C'est déjà ça. Et le retour du clown. Oh non. Ah, ça aurait été très très bien ça. C'est dommage. J'avais marre d'avoir celui-là. C'est quoi ça? C'est la blague nulle? Ah non, non merci. Après, j'ai pas grand chose pour le. Bon, ça va, c'est l'archer. C'est pas le pire. Oh, c'est un peu cher. J'ai pas d'achat. Ah, mais elle prend trop de dégâts là pour moi. Excusez-moi, madame, ça va? Boum, boum, boum. Ben, je pense que voilà. Je pensais vraiment que j'allais la tuer avant, et oui. C'est ce qui s'est passé. Avoir de l'or maintenant, c'est bien. Non. Et la mine, c'est non. Oh, la mine, je l'avais déjà essayé. C'est pas génial. Mais je peux passer niveau 2. Allez, go. Après, ça m'étonnerait que je passe niveau 3 à l'entrée du château. Mais bon, pour l'instant, on est bien. Les pics qui sortent du sol, tout ça... Ah, c'est pas mal. Là, pour l'instant, je suis content. Tout va bien. Et dire que dès que je voyais l'arbre au début, je disais non, c'est bon, merci. Ben, j'ai appris son vrai pouvoir. Et Dieu sait que maintenant je m'amuse avec. C'est le gantelet de Berserker. Augmente la vitesse d'attaque en proportion de la perte des points de vie. Ça peut être très bien, ça. Pour l'instant, c'est un peu inutile parce que ben. Voilà, je suis full vie et que j'ai un bouclier de 50 PV qui est avec moi. Donc c'est vrai que pour l'instant ça va. Mais c'est vrai que quand je commence à perdre des points de vie, ça pourrait être intéressant. Sachant que... Il peut très vite faire des trucs. Allez. Ah, je pourrais débloquer Othello. Bon, allez, on le fait. On le fait. Je suis le fossoyeur.
Je me bats avec un cercueil. Attendez. Déjà, je reprends ça en cas. Du critique, la vitesse d'attaque. Ouais, non, on va prendre ça. Mais attendez, il me faut essayer ça. Je peux créer des ghouls qui envoient des trucs. Je peux en créer deux. Donc j'imagine que ça, c'est puissance, ouais. Vous trouverez des esprits errants partout dans le monde. Une pierre tombale surgit du sol quand un esprit est vaincu. Une pierre tombale doit se trouver à proximité pour utiliser cette compétence. D'accord. Bon, au moins je l'ai débloqué, ça sera pour une autre run. Bon, on va voir ce qu'il fait quand même. Un petit peu. On est sur le premier niveau, on va en profiter. Oula. On va voir ce qu'il donne. Il est pas moche, hein, le Othello. Othello ? Othello ? Je ne sais pas. Il changera sûrement de prénom. Hein. Parce que ça fait quoi d'avoir des tombes ? C'est ça que je comprends pas. Si par exemple je fais ça et que je fais ça. Ça, j'en fais pop 3? Non, j'en fais pop qu'une. S'il me faut absolument une. Ouais, ok. Je pense avoir compris qu'il me faut une tombe pour faire mon lanceur de cailloux. Bon, allez. On tape un peu plus vite. Le croissant de lune, il est fort pour faire du pss pss sur les ennemis. J'ai pas eu de crâne. De salle de crâne. Dommage. Je vais devoir attendre pour passer mon arbre au niveau 3. Allez, on essaie de pas perdre de points de vie. Et c'est les mains qui me... Oups. J'étais bloqué. Ça se passe bien avec l'arbre. C'est déjà pas mal. Donnez-moi l'argent, la vie et le moteur à mana en panne. Bon. Coup de tête, coup de tête, coup de tête. Oui, c'est vrai, c'est pas très. On fait pas dans la finesse. C'est vrai. Genre bim, 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 bim. Oh, la moto. La moto elle est rigolote, en vrai. Bah, c'est mes compétences de... Moi ouais, ça peut être bien de conjuguer les deux, mais... Ouais, bon. Non, je vais pas. Non. Je vais pas y faire attention plus que ça. Ça, c'est fort. Oh, le retour du génie. Ah non, 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 non. Le cœur de Naya ou de Nye. J'aime beaucoup. Pouvoir congeler les gens, c'est plutôt fort. Même si la chance est faible, je m'en fiche.
cool. Ah! Oh, l'arbre! Bravo, monsieur arbre. Bon, ça, on n'a toujours pas compris qui faisait quoi, là, mais... Bon, ça j'aime pas. Je sais pas si t'es... Au revoir. On veut des crânes. On veut essayer de passer... vite. Ah, je pensais que cet effet, c'était le... Le champion de tout à l'heure qui le faisait, les explosions vertes. D'accord. The more you know. Balabalaba. Mais va-t'en. Mais meurs. Allez. Ok, je peux réavoir. Oh non! Dommage, je pensais que le crâne serait fort, mais tant pis, on sera niveau 3 quand on finira la zone. Mince, j'avais pas vu qu'il... Ah mais elle soigne, elle est pénible. Arrête de m'embêter. Boum, boum, et boum, boum, mon arbre il est fort. Arrête de m'embêter. Non. On a quasiment full heal. Ya. Bon, maintenant, j'ai voulu dasher en dehors, mais j'ai pas eu le temps. Vite, faut lui fracasser les dents, vite! Moi j'ai pris 2-3 dégâts de son attaque, mais c'est pas grave. Ça allait vite. Alors, on a droit au crâne d'eau qui est mouillé, l'énigme qui pue, et la pommade explosive qui commence à me. Hein? Cool, je vais pouvoir passer niveau 3. C'est le grand coup de poing! Ah, j'ai une nouvelle compétence. Eh ben on va la lire parce que je la connais pas. Crée un buisson épineux qui surgit du sol en tirant des projectiles qui infligent des dégâts magiques. Et puis ben de ce qu'on a vu c'était pas mal. Et j'ai un petit oiseau sur la tête là. Je sais pas si je l'avais tout à l'heure l'oiseau. Et l'oiseau on a dit rien d'autre. Bam bam. Ah mais ce coup de poing, mais c'est vraiment fort hein, sans déconner. Plomb. Plomb, plomb. Plonf, 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 plonf. Mais c'est quoi cette statue à la noix là? Non. Plonf, plonf. Ah ouais, tiens, prends mon buisson. Je sais pas combien ils ont pris de dégâts, mais c'était un peu trop à mon goût. Bon, on sait jamais. Ah, lui, il était vraiment très très cool, lui. On s'était vraiment amusé avec lui. Très très fort. En plus, j'ai un truc qui permet d'agir sur le fait de congeler les gens. Ouais, ça peut aller très vite avec lui. On verra. Mais pour l'instant, l'arbre est fort. On va pas se plaindre de l'arbre. Plonk, plonk, plonk. Non, ne me fais pas de dégâts, je veux vivre moi. C'est un arbre très énervé que vous avez là, monsieur Potter. Allez. Oh, mais quel idiot bête. Mais par contre, il me faudrait de la vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Accélère le changement de sprint et la distance parcourue s'il y a au moins 4,5. Ça dégage.
C'est pas bon du tout. Et je peux plus acheter d'items. Ah, peut-être la quintessence, c'est quoi? Le griffon. Oh non. Ah, le nom donne envie, mais alors... On avait déjà fait ce nom. Plong. C'est le buisson. Ah, le buisson peut se diviser entre plusieurs ennemis. Ça, c'est cool. C'est bien à savoir. Et c'est le génie. Plong. 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 J'ai pas une vitesse d'attaque folle, mais alors les dégâts que je colle avec, c'est fort. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment j'ai pris des dégâts sachant que le truc ne bougeait pas? Ou alors je l'ai congelé pendant qu'il faisait son attaque? Un peu chelou. Plonk, plonk. Les boules de lumière ne me font plus peur grâce à plonk, plonk. Bon allez, c'est parti pour les deux, hein? Les deux dindes. Fallait les appeler comme ça. C'est les deux dindes. Les sœurs d'Inde. Go. J'aime pas cette attaque. Plong. 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 Dis bonjour à mon arbre, va. Ah, je pensais m'en sortir là. Et là, tchac 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 tchac. Sauf que moi je fais plonk. Ah, j'ai pas sauté, j'ai voulu esquiver. Non, j'ai voulu sauter. J'ai voulu sauter, j'ai pas esquivé. Fin... Bon là, elles prennent cher quand même les deux. Peu importe le... Peu importe qui prend, elles prennent. Voilà. Bon là par contre ça va être une autre histoire. Je vais peut-être jouer. Ouais, je vais peut-être jouer celui-là. Ah mais je pensais avoir sauté assez haut quand même. Yes! Ah, il est vraiment fort celui-là. Le machin de glace, il est très très fort. Faudrait que je revoie mes items si j'ai... Je sais plus si j'ai pris que des trucs physiques ou pas. On va voir. Non, ça c'est les deux. Ça c'est les compétences. Non, en fait, j'ai toujours pas de... Mais c'est fou quand même. J'ai pas de bonus de force ou de magie encore. C'est fatigant.
Tu avais pas gagné la dernière fois avec lui déjà, avec le crâne de glace? Si, je suis allé très très loin avec le crâne de glace. Il est très fort. Hein. Mais je voudrais voir le niveau 4 de mon arbre. Mais je sais pas si je vais y arriver, cela dit. Parce que là, il me faut de la vie et... Parce que je me suis bien bien défendu tout à l'heure avec l'arbre. L'arbre est fort, hein. Mais le truc de glace est fort aussi. Lui, il me donne un crâne ou une compétence. Je sais plus, il va me le dire. Non, il me prend de la vie pour me donner un truc caca. C'est le plonk plonk. Oh, un méga crâne. Ah, il est vraiment bien lui aussi. Ah, il me faudrait le marché là. Il me faudrait de l'or et le mar... Ah non, j'ai 3000 gold. Qu'est-ce que je raconte? J'ai 3000 gold, on s'en fout. Ok. Ah non, quel idiot! Mais... Mais c'est quoi ce Beans? Pourquoi j'ai pris des dégâts alors qu'il était... Oh. Le truc était... En train de prendre une animation de j'ai pris des dégâts donc je fais rien. Et il arrive quand même à me mettre des dégâts dans la tête. C'est très décevant. Pourquoi je suis allé là? Je voulais le trésor. Bonsoir. Allez, c'est bon. Oh! On l'a eu qu'une fois, lui, je crois. Ça. Oh non, là, c'est dur. Ok. Déjà, on a annulé le rituel. Je te vois, toi, derrière. Hein. En train d'essayer de m'embêter. Ouh, de la vie. De la vie, et surtout toi. Aide-moi. La prêtre des ténèbres gentille. Le prêtre, pardon. Oui, prends mon or, j'en ai plein. Ah non, c'est lui qui échange les... Bon, ça tombe bien, parce que j'aime bien celui-là. Le bosquet était pas mal, mais j'aime bien l'espèce de dash. Oh, du café spirituel. Oui, donnez-moi de la vie. Oh, les shurikens, je prends. À la place de l'argent. Parce que maintenant, j'en ai plus besoin. Je peux même acheter autre chose. Augmente l'attaque magique pour chaque esprit possédé. J'en ai pas. Et on augmente les PV maximum de 15. Et j'ai encore compte de fées. J'aurai double compte de fées. Je remplace quoi? Ouais, on va remplacer le taux de critique par... ça. Mais j'ai pas d'esprit. Ouais, non, c'est un peu con. Bon, allez. Cool. Un objet gratuit. Oh! Mais... Il y a tout qui explose, c'est insupportable. C'est la zone de l'insupportable. Yes. C'est bon, tu vas retaper toi. Bon. Donc on disait, monsieur. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Lors d'une attaque en sprint, il y a 30% de chance de congeler les ennemis touchés. Réduit les dégâts reçus de 10%. Allez. Au revoir. Oh, Jésus! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Twisted Fate! Ah, désolé, petit glace, mais il faut qu'on teste, là. Je suis Twisted Fate!
J'envoie des cartes. Tac, 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 tac. Je fais la roulette de le destin. Qu'est-ce que c'est que ce perso de dégénéré? Ah, il tape magie. Ah, il est très très chouette, lui. Au revoir, l'esprit de glace. Désolé, je t'aime bien, mais là, là, ouais, là, là. Là, je suis Twisted Fate, le lanceur de cartes. Aïe, aïe, aïe. En plus, avec mon shuriken, mais ça commode vachement bien. Certes, je fais pas beaucoup de dégâts, alors... Non, c'est rigolo. J'ai une vitesse d'attaque monstrueuse. Aïe, ta. Non, c'est cool, hein. On va pas se plaindre. Oh, qu'est-ce qui m'est rentré dans la tronche, là? Aïe, 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 aïe. Ouais, Nino, t'as raison, c'est aïe, 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 aïe. Eh, il est rigolo, c'est la première fois que je l'ai scrane. Sans le débloquer, en plus, oh non. Bon, on y croit. J'ai toujours pas de quintessence. Je viens de calculer. Oh, il a mis son bouclier devant. Je suis très déçu, j'ai pris 20 000 dégâts. Oh là là. Faut pas que je confonde mon shuriken et le sien. Je vais mourir, hein. C'est dit. Ah, c'est dit, je vais mourir. Entre le ninja et l'archer et l'autre qui pose tout devant, là, là c'est dur. Pardon. Oh mais c'est pénible, à chaque fois que je fais un truc, il fout son bouclier devant. Oh. Et encore une fois, des items merdiques qui m'augmentent pas mes PV ou quoi que ce soit. Ah, oh, je suis dégoûté, il était trop cool le joueur. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave, on prend des PV, voilà. Et on finit les PV. C'est pas grave, c'est pas grave. On s'est amusé, voilà, petit arbre, voilà, on aime l'arbre. Et le singe, on l'a déjà fait, voilà. Non, non, c'est bien, c'est pas grave. Ah, ben voilà, enfin des dégâts, quoi. Et la vitesse augmente après le sprint, très bien, allez. Ouais, au revoir à Yaya, ouais. J'espère le retrouver vite, parce que c'était très très chouette à jouer. Bah c'était un peu le clown, mais... Non, c'était un peu le clown, quoi. Je vais m'arrêter à ça. Parce que c'est vrai. Ah, punaise. Ah, le combo des trois bonhommes, c'était particulier. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On augmente la vitesse d'attaque de 40%. Point. Oh, mais c'est un très très bon item. Voilà, ça y est, le jeu, il a dit bon... T'en as chié, mais maintenant on t'aide. Ya, ya. Tic, 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 tic. Ouais, bon là, c'est, ça va être... Tic, tic. Tic, tic. On court vite. Toi là, taf, 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 taf. Tic, tic, tic. Bah c'est un peu Aya mais sans carte et... mais avec la même vitesse et... Oh la momie. Ah ça va vite. Hein. Mais je peux déjà passer niveau 2. Avec mon arbre. Ça c'est cool. Aya. Ah, la médaille en début de jeu, très bien aussi pour avoir de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? La ceinture du guerrier. Augmente l'attaque physique par chaque ennemi proche. Non. Augmente les PV de 40, ça c'est fort. Augmente les PV de 15 et on a exécution ou folie. On va prendre ça. On va prendre les PV pour le moment. Allez,
On va voir le mid-boss. Toi là. Mais toi, je vais me venger. Pour tout ce que tu m'as fait subir. Tiens. Regarde, ma vitesse d'attaque, elle augmente. Elle fait... 26, 27, 30. 10. Fallait pas m'embêter tout à l'heure. Tu vas m'enfler maintenant, le roi Jenkins. Oh oui, je te compte. Tiens, vengeance. Oh, le retour de la momie. la pierre de la haine, c'est non. On va prendre des os. On va prendre des os pour essayer de passer niveau 3 en deuxième zone. Allez. Et c'est le retour de coup de tête, en effet. Allez, des crânes, là. On s'en fout, on court. Même. Aïe. Diz. Toi là, diz. Donne-moi les crânes. Encore le singe, mais je n'en veux pas. Parce que le singe grimpe aux arbres. Aucun rapport, bordel. Toi. Non. Aïe. Toi, biz. Diz. Toi là. Tu comprends tout. De la glace en cas. Oh non, j'aurais pu prendre la quintessence, c'était quoi? Oh, le Yeti. Bon, c'est rigolo, le Yeti. On va essayer de prendre le trésor. Plus de modifications de stuff. Il me faut des crânes. Il me faut des os. Je veux gagner ce jeu. Je veux arriver à tuer le boss de la troisième zone. Au moins ça, s'il vous plaît. Oh, bon objet. Mais oui, très fort ça. Il me faut une bonne quintessence maintenant. J'ai au taquet de vie. Et un bouclier maintenant en plus. Damn. D.O.O. Non, le mage de feu, tiens. Petit arbre. Ça, c'est pas ouf, mais bon, c'est un objet en plus pour le moment. Y'a pas un raccourci? Oh. Idiot. Ça apprendra à vouloir aller trop vite. Idiot. M'en fous, j'avais un bouclier, mais quand même. Aïe. L'argent. Le boss. On y va. Péter une durite aujourd'hui, et ben c'est pas grave. Il y a gros. Alors, l'intentien. C'est moi le nouvel arbre de la forêt maintenant. Parce que je l'ai mis pour terre. Da. Oups. Ah. Aïe. Mais cet Ent, le pauvre, à chaque fois on le fracasse, il a rien demandé. Oh. Ah ouais, non, ça c'est bien ça. L'os infini. Je vais pouvoir faire des compétences à tir larigot. Mais malheureusement, je peux pas monter. Ah si, bientôt. Je pourrais passer niveau 3 plus tard. Là. Mais oh. Ça dégage. Ça va? Bien. On refait le tour. Parce qu'ils sont tombés. Mais oh, j'ai fait n'importe quoi. Sur le mage. Coup de tête, balayette. Blanc.
Poète. Mais ah, mais ma souris, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Pardon. C'est, je comprends pas. Elle bouge toute seule, genre. Ça m'apprendra à changer de. De tapis de souris. Et... Oui! 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 Donc on disait quoi? Ah oui, c'est vrai. Aïa, 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 aïa. Aïa, aïa, aïa. Aïa! Qu'est-ce que c'était que ça? Aïa, aïa, aïa. Aïa! Aïa, 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 aïa. Aïa, la roulette! Il y a moins d'impact que tout à l'heure parce qu'il n'y a pas les shurikens avec, hein, ça se voit. Aïe! Tic, 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 tic. Ah là, il me faut vraiment des objets magiques. Il y a encore des ennemis? Non, c'est bon. En plus, mais attends, mais j'ai mon objet de vitesse d'attaque, mais il pète un plomb en fait. Ah, il me faut des bons objets de. De magie là. L'échange, non. Augmente la vitesse d'attaque de 50... Ouais, non, mais j'ai déjà un truc très fort. Augmente l'attaque magique pour chaque esprit possédé. Bon, on va faire un pari d'essayer d'avoir des esprits. Ah, je peux prendre la quintessence, c'est quoi? Arenbang. Ah, mais ça inflige des dommages physiques... Ouais, non, c'est pas fou. Bon, allez, on va faire un pari fou de... d'essayer d'avoir... Mais je suis bête, moi je le vois faire et je lui dis ouais, vas-y, fais. Ouais, on va essayer de faire un pari fou de choper des esprits. Parce que si j'ai des esprits, ce personnage-là peut m'amener très loin. Tic 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 tic. Parce que il joue sur la. Ah! Il se joue sur la vitesse de, d'attaque que j'ai énormément. Et sur la magie. Donc on va essayer d'avoir des. Mais je viens de la jeter. Mais oh, vous foutez de ma tronche. C'est pas cool. Tic 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 tic. Ouais non, même la roulette c'est fort. Tic 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 tic. Tic. Bonjour. Après il a un truc en physique mais c'est pas. C'est pas non plus un jeu. Le pistolet. C'est très drôle là. Tic 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 tic. Tic 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 tic. Zouche zouche. Il faudra pas que je sois. Faut... Attends, je la refais. Il ne faudrait pas. Non ça je peux le prendre, cela dit. C'est meilleur que ça au final, parce que je l'utilise pas tant que ça. C'est dommage, je sais, mais... Il y a encore plus de vitesse d'attaque, youpi. Je suis capé à un moment donné, parce que là je vais aller vite. Hein. Tiens! Oh, dommage. Le loup. Youpi. Vengeance! C'est la vengeance. Bah alors ça va, tic 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 tic. Faut l'empêcher de le faire. Elle l'a fait. On court. Oh, j'ai pas vu. Lui aussi il va faire son truc là. Mais oh. Mais c'est pas possible. Voilà, toi déjà tu t'en vas. Et lui maintenant ça va être facile. Même le coup de pistolet il est bon en fait. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on veut? Une bonne quintessence, ça serait... Oh! Oui. Oui, oui. J'ai vu la magie, je... Oui. C'est oui. Madame, tu peux m'augmenter encore plus fort? Non, je sais que c'est pas possible, mais... Ça aurait été très cool. Le mec, toujours plus! Bon, allez. On essaie maintenant de récupérer sa vie tranquille. Et de pas faire de bêtises. Après, c'est plein de petits coups, donc c'est vrai que l'augmentation des pourcentages, c'est pas ouf ouf, mais... Ouais, non, ils descendent beaucoup plus vite, quand même. Oh, ok. Wow, 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 wow. C'était la roulette. La roulette énervée, là. C'était le jackpot. Paf. Ouais, non, il est vraiment chouette. Aïe. Mais j'ai pas d'esprit encore. Oh non, pas ça. C'est juste pour de l'argent, c'est mort. J'ai pas envie de perdre de la vie gratuitement. Désolé, mais... Non, merci le Danka. Et le marché. Oh, c'est quoi? Diminue les dégâts subis de 30% lorsque les PV sont en dessous de 30. Alors, techniquement, c'est chouette, mais... Ah, il me faut un esprit, là. Oh, la vitesse de concentration. Je sais toujours pas ce qu'est la concentration. Le taux de critique. J'ai rien avec le critique. Mais j'ai des chaussures nulles. Non, on va viser là. Oh, celui-là, oui, en plus. Ah, tiens, c'est quoi? Lors d'un échange, augmente l'attaque magique de 60% pendant 4 secondes. C'est pas assez, malheureusement. C'est bien, mais alors 405 quartz noirs, c'est... Non, c'est pas ouf. Paf. Pour la déesse. Ça, c'est bien parce que je vais pouvoir gagner un bouclier de 20 assez souvent. Merde, pardon. Ce qui va me rendre un peu plus invincible. Surtout contre la... La chimère, ça va être pratique. Bon, bon, on va viser trésor et or, hein. Parce que les os, j'en ai pas besoin. Je vais rester avec Aya pendant un moment. Oula, oula, là, qu'est-ce que j'ai fait, là? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donne-moi du bouclier. Tac, 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 tac. Très, très cool, ce crâne. Mais c'est bizarre de l'avoir eu, on va dire, entre guillemets, pour la première fois aujourd'hui. C'est pas entre guillemets, c'est... Aujourd'hui que je l'ai eu. Un esprit! Un esprit! Alors, on enlève ses bottes. C'était prévu qu'elle parte. Yes! De la magie! Et en plus, l'esprit de l'eau, il gèle. Non, là, je me sens bien. Au revoir. Tac, tac. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Je dis pas ça parce que c'est pété, j'aime bien ce genre de... Bah, j'aimais jouer le clown parce que il fonctionnait pareil, en fait, il envoyait plein de petits projectiles. Je trouvais ça rigolo. C'est pour ça que j'aime bien cette classe. Allez, envoie les boules sur les ennemis, là. Oh, de la régène de vie. Cool, ça. Merde, pardon. J'ai un peu fait n'importe quoi. Après, si j'utilisais ça plus souvent pour avoir mon bouclier aussi, j'en serais pas là, hein. Allez, je suis avec une vie plus que respectable pour aller taper... Les demoiselles de Rochefort. Donc on est parti. Bon là j'y crois sans déconner. Hein. J'y crois fort. Ah j'y crois très 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 fort même. Twisted Fate, go.
Oh mince, j'ai pas esquivé. Hop, on prend notre shield. Alors toi là. Tiens ! Alors on a mal madame, on a mal. Alors madame, madame. Le mec insupportable putain. Madame, madame. Madame, t'es où madame? Oh c'est elle qu'il faut taper. Madame. Madame. Non, c'est... Oh oui, c'est toujours la bonne. Madame. Madame, pourquoi t'es par terre et tu saignes du nez, madame? Le casse-burne-nez, quoi. Madame. Allez, là, on joue bien. Hein. Madame, madame, madame. Oh! Elle m'a dit monsieur. Madame. Madame, 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 madame. Et après, elle fait son aïe, 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 aïe. Ça, c'est très très chiant à esquiver, cela dit. Peu importe le perso, peu importe... Oh là. Je me fais avoir. Ah, je me suis bien fait avoir. Elle a pas apprécié que je l'appelle plusieurs fois madame, peut-être. Madame. Faut que j'arrête. Ah, mais c'est pas possible, ça, à esquiver vite, hein. N'importe quoi. Ok, impeccable. Aïe. Oui. De la vie. Oh. Et un esprit. Oui, esprit, es-tu là? Oui. Donne-moi tout ça. Laisse-moi gagner. Et poup, on réapparaît. Oh, on n'a pas réapparu cette fois-ci. C'est incroyable. Oui, bon, toi, je sais que tu vas mourir, mon pote. Oui, 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 oui. Allez. On y croit, on fait pas n'importe quoi. Monsieur, ça va? Vous êtes où? Tic 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 tic. Ouais non mais c'est très très fort ça. Oh, oh j'aime. J'aime ce qui se passe. Je vais peut-être finir cette zone à la... C'est un piège ça non? Ah non c'est de l'or gratuit un peu partout. On l'avait déjà eu. Une zone comme ça, je sais plus où. Ah, le marché. Vous savez, au marché, s'il faut, il y a des esprits. Ah, peut-être, cela dit. Anneau lunaire. Augmente l'attaque magique de 30%. Lorsque l'épée solaire est activée, Harmonie s'active. Bon, de base, ça rajoute de la magie. En vrai. On monte de 35% l'attaque magique. Ah, je savais pas que ça faisait ça de base. On va prendre ça. Après, il va falloir se calmer et gagner de la vie. Bah, je suis bête. Là, voilà. Hop, on fait ça pour gagner le bouclier. On va la jouer fine, hein. Enfin, fine. On va essayer de survivre le plus possible. C'est le but là. Aïe, 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 aïe. Ouais, je pense que. Ouh, punaise. Ah, ils sont pénibles ces arbres, hein. Tu veux bien me filer un objet, s'il te plaît? Oui. C'est quoi? C'est pas un truc magique? Non, c'est. C'est pas mal, mais... Non. Non. Comment on fait pour dire non? Ah, faut faire ça, faut refaire ça, voilà. C'est mauvais, ça. Ah, vous allez exploser loin de moi, maintenant, hein.
Oh, je vais plus vous laisser me toucher, vous allez voir. Voilà. Explosez sur les autres, pas sur moi. C'est très pratique. Ouf. Ah. Ça... Ok. Non mais... Cette passive pour ça, elle est pas folle. Le fait de... Dès que je tue quelqu'un, il y a un esprit vengeur qui dit non merci. Ça va exploser toutes leurs fioles là, c'est pénible. Je suis un peu pété là, cela dit. Non merci. On va prendre de l'or encore. Toujours prendre de l'or encore. Maintenant. Allez, tac 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 tac. Oh cool, il y a le... Ouf, ouf. Eh hey, oh. Oh, j'avais pas vu qu'ils étaient en train de créer le machin. Ok, impec. Easy. Toi, c'est les os, c'est ça? C'est dommage, pour une fois que j'en ai pas besoin. Bientôt le mid-boss. J'espère que je vais réussir quand même à survivre à... à l'attaque de la chimère. Parce que la chimère... Non merci. Tac 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 tac. Ça va tellement loin en plus mes attaques, c'est incroyable hein. J'aime ce que je vois, j'aime ce que je fais. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Allez, le mid-boss. Oh, le ninja. Là, il y a eu de la congélation en masse. Non ! Ah, là, c'est un peu le bordel. J'avoue que c'est un peu trop le bordel. Un, deux, deux. Ok. Donc déjà, un en moins. Ensuite, je tue lui. On prend le bouclier. On va de l'autre côté. Oh. C'est bon. Maintenant, le ninja, ça va le faire. Voilà. Impeccable. J'ai pas perdu trop de vie. C'est très très bien. Qu'est-ce que c'est que ce quintessence? Le griffon, c'est non. L'anneau devant, c'est non. Bon, on va ramasser des os, mais... Ça me sert pas à grand-chose, à part dire... je vais passer lui niveau 3, quoi. On va essayer de le passer niveau 4 passivement, on va dire. Bon, là, so far, so good. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était chouette. Prends le bouclier. Oh mais lui il a explosé. Oh vite. Vite le grand alchimiste là. Ce pénible. Ah. Il y a un autre grand alchimiste, il est où? Il est en plus mieux. Ah, il est pénible à invoquer ça. Ok, c'est bon. On va tenter des trésors. On a beaucoup d'argent. Ouais, non, mais là, c'est très très drôle quand même. Genre, tac 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 tac. C'est pénible, les grands alchimistes. Oh non. On se casse. Bordel. Pardon. Il m'a surpris. Il est où l'autre? Ils sont insupportables ces monstres. Les golems. Ok, c'est bon.
Je suis mi-vie, c'est pas bon. J'espère qu'il va marcher très vite. J'ai rien dit. C'est quoi ça? Augmente l'attaque physique. Non. La vie, ouais. Ensuite, l'encensoir. Augmente les gains d'or. Non. Oula. Non, c'est bon. C'est j'ai rien de bien transcendant. C'est quoi ça? Le dragon de feu. Non. Tac, 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 tac. C'est bon, l'arbre il est mort au fond là. Oui. Oh, j'aime beaucoup les esprits qui explosent devant moi, sans déconner. Toi là, toi, t'es méchant toi. Merci. Tac, 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 tac. Olé. La ceinture du guerrier qui peut être sympa, mais non merci. Je sais plus ce que c'est ça. Ah pff. Oui alors c'est pas mal, mais est-ce que j'ai envie de flinguer ma vie pour... Ah le Yaksha. Le Yaksha était rigolo. Le peu qu'on l'a utilisé. Vite, vite, parce qu'ils ont ça. Vite. Ils avaient le bouclier, c'est saligo, c'est bon. On a encore eu de la chance. Ouf, j'ai perdu 2 points de... Ah non, j'avais le bouclier, c'est bon. Oh, mais je t'avais pas vu, toi, là-haut, à me canarder. Je me concentre, mais je me fais un petit peu dessus. Il me faudrait plus d'esprit. Ah, j'aime pas ces... Oh non. Vite. Ces âmes à la... Noix, là. Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ont réussi à la... Ok, là c'est la panique, la vie va me manquer. Oh, c'est pas possible. Wouah, j'ai pris tellement cher. Oh, un objet légendaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Les ailes de Sylphide. Augmente la vitesse d'attaque aérienne de 70%, la vitesse de déplacement de 100% et permet de sauter une fois de plus. Alors, en vrai, ça serait bien, mais malheureusement, j'ai tellement besoin de mes items là que... Ah non, je suis contre la chimère et je suis mi-vie. J'ai pris trop cher rien que sur ce... Bah là, j'y crois moins, bizarrement. Ça m'embête, mais bon, tant pis. Je risque de me taire beaucoup, beaucoup, là. Parce que j'ai vraiment envie de gagner. Oh! Je peux rester loin pour me battre contre lui, donc c'est chouette. Comme ça, je prends pas son coup de patte gratuitement, là. Que je peux prendre parfois dans les dents, là, alors que j'ai rien fait. Allez, allez. Comment je me suis rapproché de lui, là? Mais qu'est-ce qui me fait de... Non, 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 mais non! Mais j'étais bloqué dans le mur! J'ai pas pu bouger! Ah, ça me saoule les bugs comme ça!
Ah, je t'ai bloqué dans le mur, mais quelle honte! Impossible de bouger parce que le truc m'est tombé dessus et qu'il a pas compris que je voulais me barrer. Oh. J'aurais pu tellement la tuer, je suis dégoûté. Ah, c'est pénible. C'est très 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 pénible. Je suis resté bloqué 2 secondes dedans et ça suffit. Bon. Ouais, montre-moi ce que je peux augmenter. Je suis dégoûté. Punaise. On va prendre ça et on va piquer. Oh, mais quelle haine. Vas-y, maintenant file-moi des objets magiques, j'adore. Punaise. J'y ai cru, mais j'y ai tellement cru fort. Bon, très bon crâne le joueur, hein, je recommande. Bon, et là, je vais choisir des crânes qui essayent d'aller loin. Depuis tout à l'heure, j'essaie de m'amuser un peu avec tout. C'est pas que c'est fini, mais... J'ai une chimère à terminer, moi. Ah, fais suer! J'étais presque, quoi. J'avais juste à survivre à cette attaque, et c'était bon. Oh, le fossoyeur. C'est très très énervant. J'aurais voulu voir la quatrième zone. Ça m'étonnerait que ce soit la dernière, mais... J'aurais tellement voulu voir. Cette fois, j'allais finir le jeu, t'imagines? Bon, ça m'étonnerait. Je rêve un peu, là. Non. Pas de Kratos. Au revoir. Ah, c'est pénible. Tellement rageant. Un point de vie. Comme... C'était aussi, aussi frustrant que quand je me faisais avoir par... Par la sœur, on va dire... Corrompue... Et que je perdais un point de vie, quoi. Voilà. Bon, bah si je trouve le crâne de glace, c'est parti et on casse le jeu. Ça, c'est très très bien, peu importe. Mince. C'est une quintessence qui valait peut-être le coup. Utiliser quinquintessence pour voir le pouvoir condensé dans la main de Sionisio créer une explosion. Je crois qu'on l'avait déjà eu, c'était bien, ouais. C'est vrai. C'est vrai que c'était une très bonne... Ah, toi, ma pauvre, tu vas pas faire grand-chose. Hein. Check, 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 check. Elle me touche même pas et je peux la fracasser, quoi. Bon, là, elle va se heal, malheureusement. Oh, je l'ai raté. Mince. J'ai raté ma compétence. Ah, la pauvre. La pauvre, j'en ai fait que de la chair à pâté. Le golem d'acier. Augmente l'attaque physique pour chaque compétence en rechargement. Il y a bagarre, donc je vais le prendre. De toute façon, je vais pouvoir passer niveau 2. Ah! J'étais presque. Ouais. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Vu que là maintenant ça m'a énervé.
Ah, il me le veut. Tiens, prends le bouclier, parce que là, tu verras, il est nul. Il est nul, mon bouclier squelette. Tu le veux quand même? Non, je veux pas de ton bouclier squelette. Oups. Oh, elle va me filer des os, elle. Oh, ça serait très très bien que je puisse passer niveau 3 à... Yes, je peux. Je vais passer niveau 3 après le... après l'arbre. Sauf si je trouve... Bon, mais j'allais dire le crâne de glace, donc c'est impec. Je le prends et on augmentera le crâne de glace. Oh non, le shuriken! Oh, il me manquait très peu. Et la quintessence, c'est quoi? Encore le golem? Mais foutez-moi la paix! Allez, on va viser maintenant des objets pour lui. Crâne de glace en avant. Oh mince, c'est la statue que tu pris. On va essayer de build un crâne de glace. Parce que Dieu sait qu'il peut être fort. On était allé très très loin la dernière fois avec. C'est un quoi d'ailleurs? C'est un crâne de quoi celui-là? Équilibre, très bien. Il me faudrait le l'objet qui dit que quand les gens sont congelés, il y a une tornade qui les congèle autour et... pour faire un peu plus de dégâts avec ce personnage. Après c'est bien parce que je commence à vraiment, entre guillemets, connaître beaucoup plus les objets qu'il me faut. En fonction des persos qu'il me faut. Bon, un peu d'or, hein, je dis bah non. Mais ouais, je vais pouvoir le passer niveau 2 après ce combat. D'ailleurs, pour ce combat, je vais prendre le loup parce qu'il tape un peu plus vite, cela dit. C'est dommage. C'est très très dommage. Ouais, il tape un peu plus vite. On va voir. Ouais, il est pas photo. Ah oh mince, c'était de ce côté. Voilà, c'est fait. Tac 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 tac. C'est bête à dire, mais l'attaque du loup aérienne est vraiment bonne par rapport à ce qu'il peut faire au sol. Hein. Et j'ai pas de boost en l'air. Ah, il est vraiment fort. Hein. Mais on va jouer le crâne de glace, vu que ben, je vais aller loin. Ah, mais on avait un bon truc distant, là. C'est dommage. Augmente l'attaque physique et magique. Tant que j'ai mon bouclier. Ah, mince. Bah, ben, il va partir, à un moment donné, ce bouclier, parce que je suis pas très fort. Allez, on va essayer de le monter au maximum. Swish. Déjà, rien qu'à ce niveau-là, il est balèze. Ah, j'ai le bloc de glace, là, le pilier, c'était cool, ça. Ouais, il me manque, malheureusement, la tornade. L'objet qui dit que... Oh. Le paladin des noirs, c'était bien ou pas? J'ai oublié. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il est en... Je crois qu'il crée un bouclier. Attends.
Les dégâts des compétences donnent une charge d'ombre. Lorsque les charges complètent, elles peuvent déclencher un bouclier de 10 PV qui dure 20 secondes. Les attaques magiques augmentent de 30% et les attaques normales infligent des dégâts magiques tant que le bouclier tient. Ah, c'est bien le paladin noir aussi. On va voir ce que ça donne le paladin noir comme ça. Parce qu'on l'a pas testé contre des ennemis de base. Ouais, il tapote. Hein. Ce serait bien d'atteindre ça. J'arrive pas à monter. Allez. Oh punaise. Quel enfer. Check, check, check. Un petit marché. On va acheter de la vie. Un bon item. C'est pas des bons items, ça. Et ça, c'est quoi, déjà? Encore le griffon, mais c'est pas possible. Pas de bons items, donc on va garder notre argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je perds de la vie comme ça, là? Rien de m'embêter. Mais pourquoi ils me font ça? Parce que j'ai de l'augmentation de physique et magique là, donc... Lui, il est censé faire de très bons dégâts. Là. Ah, mais il a la pire compétence au monde, vas-y, tant pis. Pourquoi il les envoie vers l'eau? Il est bête ou quoi? Oh là! Oh, j'ai pris des dégâts sur le sol, mais quel... Allez, on se reconcentre, faut gagner, là. Surtout qu'il y a le mid-boss, là. Ah ! Je sais jamais lequel viser en premier, là, sur le coup. Bah, il était congelé. Oh, mais ce que j'ai pris, mais c'est quoi ce bordel? Oh non. Oh non. Ok. Ok, j'ai failli mourir, mais tellement fort. Ah, le champion. Oh! Oh non, c'est dommage. Je suis presque au niveau 4. Mais... Tant pis, on va économiser. Bon ben... si on veut bien, moi je le fais. Il me manque vraiment le truc de faire des tornades dès que je congèle des trucs. Hein. Là, c'est ce qui me manque énormément. Punaise! Je vais mourir. Ah ouais, d'accord. Bon, on se concentre pour éviter de mourir au jusqu'au prochain. T'es pénible toi d'esquiver.
Oh, le génie. Bon, j'ai mes 100 crânes. Maintenant, on vise lui. Oh, non! Il me reste un point de vie. Je vais pas y arriver. Ah, punaise! Ah, ok. Bon, ben, allez, on recommence. Putain, j'ai vraiment des objets caca, hein, aujourd'hui. À part l'objet que j'ai eu, qu'on a doublé tout à l'heure. Merci pour le courage. Ah, je fais au mieux, mais... C'est pas évident, là. Faire au mieux, mais là, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah. Check, check, check. Ah, je le redis, je le re. Je le redis. Les attaques. Comment ça s'appelle ? Aériennes du loup sont très très bonnes. Je vais garder le crâne de glace en cas de côté, mais. Je vais jouer lui pendant un moment. Pardon. J'ai pas d'argent. Super. C'est pas grave. On va essayer de jouer de loup pendant un moment. Hein. Non. 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 Au revoir. C'était très bien. Cette quintessence, on l'avait déjà eu, non? Oh, ça. Ça augmente les deux. Physique et magique. Allez, on augmente ça. On va essayer de jouer loup parce que bah, j'ai des bonus de vitesse de déplacement et d'attaque grâce à mes pouvoirs que je prends chez la sorcière dès le départ. Donc on va essayer de faire des trucs sympas. Non, ça a l'air d'aller. Hop, on prend des crânes. Je vais en avoir besoin. Check, check. Ah! Ah! En vrai, j'en... J'ai envie de réessayer ce que ça donne, parce que sans déconner, c'était drôle. On va voir ce que ça donne, parce que... Oh, une montagne de nigiri. Ah, mais j'ai toujours pas d'argent, mais c'est dingue. Voyons voir. Ça fait de bons dégâts, mais... Faut jamais s'arrêter, en fait. C'est le problème. Faire mon concerto là. Et après ça fait quoi déjà? Ouais mais c'est sur place hein. C'est le problème, ouais c'est pas... Oula. Mais c'est pas possible. C'est rigolo, c'est vrai le rocker, ça peut être marrant mais...
L'attaque est trop... C'est trop random pour toucher quelque chose et... Et le combo, t'es pas sûr de le faire. Attends. Parce que c'est un... Ouais, voilà. C'est un crâne qui coûte cher. Donc autant le... Autant le... Mais c'est pas possible. Autant le fracasser... Et avoir mon loup de niveau 3 dès le prochain stage. Allez, on se refait les griffes sur l'Ent, le porc, et qu'a rien demandé à sa vie. Ouais, il a vraiment pas de bol, le porc. Hein. Tchac, tchac, tchac. Mince. Ah, oh, les boules de feu qui lui sont toutes tombées sur le centre, le pauvre. Je suis désolé, monsieur Lent. Je suis désolé. Oh, beaucoup de vie. La gratitude de Lent ancien. Augmente l'attaque physique tant que le bouclier perdure, ouais. Ça, c'est un problème. C'est, il te file un item qui, au final, bah... Pff, peut dégager très vite. Oui, transforme-moi. Wouhou, je suis de niveau 3. Ouh la vache! Attends. Porte une attaque de griffe qui inflige des dégâts magiques, gagne 1 point de vie, augmente le taux de critique de 1% et la vitesse d'attaque de 1% pendant 20 secondes pour chaque ennemi tué avec cette compétence. Oui, enfin, il faut le faire tout le temps, quoi. Mais c'est pas mal. Oh, il se déplace bizarre, cela dit. Ouais, j'ai déjà perdu le bouclier de... De l'arbre, non mais sans déconner quoi. C'est tellement nul à chier, c'est pas possible. Je sais même pas à quoi sert ma barre. Faudrait que je lise. Je vais lire après. C'est quoi ma barre? Augmente la vitesse de déplacement et sa distance de sprint. Vainque des ennemis, augmente la vitesse de déplacement et la distance de manana. Augmente ton taux de critique jusqu'à 30% en proportion de la distance parcourue. Ok. C'est plus je marche et plus je gagne de. Il me manque 6 ennemis. Super, je sais pas où ils sont. Oh putain. Sans déconner, les gars. Moi je vais avoir du critique. Oh, parce que dès que je m'arrête, c'est mort. Il faut que je bouge tout le temps. C'est super dur. Moi, c'est plus je bouge, plus j'ai de critique. Oh, qu'est-ce que c'est ? Roue de l'offensive. Après avoir lancé 5 compétences lors d'un échange, invoque une roue de charrette. Qui... c'est quoi ça ? La succube. C'était pas mal, non? De souvenirs. Bon, attends, il y a peut-être mieux, là. Non. Non. Oui. Vive les dégâts. Vive les dégâts, on cherche l'argent. Et...
Là, j'ai besoin de l'argent. Les servantes, au revoir, au revoir. Je veux des os. Oui. Et check. Oups. Ah, lui, faut lui filer de la vie pour qu'il te... Pour qu'il fasse je sais plus quoi, là. Je m'en souviens jamais. En plus, à chaque fois, je crois dire que... Oh, c'est nul. Allez, super, vas-y, prends des dégâts. Les dégâts, c'est trop bien. Non, je file pas ma vie. Oh, oh, c'est Dead Cells. Ah, je vais peut-être le prendre. Ça dépend. C'est quoi les attaques qu'il a? Le coup de bouclier. Oh, l'arbalète. Ouais, on va peut-être le prendre pour les gens Yves là. Ouais. J'aime beaucoup comment la mage ne fait absolument rien par contre. Hein. Elle me regarde, tu es sa copine, hein. Elle dit ouais, ok. Ouais, par contre, vu qu'il faut que je me batte en aérien, c'est mieux avec. Mais elle a rien fait, Vénus, là. Your Venus and your very dead cause you... Pas dire autre chose. Bourrasque du canyon. Utilisez la quintessence pour vous transformer en harpie. Non. Ça, on va le prendre pour le moment. Dommage, je peux pas me transformer. Après, Dead Cells est fort, mais... J'ai l'impression que je fais un peu plus de dégâts avec Francis. Francis le loup. Je sais pas parce que lui c'est plus il gagne de cellules et mieux c'est pour lui. Ouais, je sais pas. J'arrive pas à me décider. Quel est le mieux là? Satanés assiettes. Toi, t'es pénible, toi. Oh, tellement d'assiettes. Il est où? Il est fini. Des os. Du Minotaur. On va acheter de la vie encore, hein. Bah oui. On se fait avoir. On peut pas avoir d'objets parce qu'on est obligé d'avoir de la vie. Bordel. Donne-moi l'argent. Punaise. Eh ben, quel boxon. Mais j'ai pas les meilleurs crânes, hein. Oh la vache. J'en suis obligé de me filer un... J'ai obligé de me filer un loup et de le garder, punaise.
J'aspire à mieux. Il est pas mauvais, mais je contre la chimère, il va rien faire. Contre la chimère, de toute façon, c'est pas compliqué, il me faut de la distance. Parce que même si je reste au cac, elle me défonce. Et même plus que... Ouais, la vie c'est pas ça, je vais arriver contre le boss, je vais avoir 60 points de vie. J'ai pas d'item, j'ai même pas pu acheter parce que j'ai pas de fric. Ouais, je sais pas ce qui se passe encore une fois sur cette partie, mais elle part vraiment pas bien. Mais pas ça! Même s'il est fort, pas ça, quoi. Oh là là. Ah, ça va pas être la fête contre les filles, hein. Sans déconner. En plus, mon loup, il fait 8 mètres cubes, le machin, quoi. Il est tellement gros. Il fait la même taille que le garde là-haut, là. Et je fais pas de dégâts. Ah ouais, ça risque d'être très long. Hein. Punaise. Sans dégâts, ça risque d'être pénible. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ok. Là, check, check, et check, 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 check. Tiens. On va faire des dégâts. Non, non, non! Oh, punaise! Oh non, j'ai raté. Mais quoi? Mais j'étais largement au-dessus! Yes, bon, je pense que je suis mort. Vu que je fais n'importe quoi. Mais sans déconner! Et être congelé, non, ça t'intéresse pas, madame? Moi, j'aimerais bien. Oh, c'est pas possible! Pénible ça. Et le pire c'est que je les ai même pas fait vaser et il me reste 16 points de vie. Vous croyez vraiment que je vais y arriver? Ça serait comme parier sur un cheval boiteux, hein. Pareil. Non mais c'est pas possible! Oh, c'est pénible! C'est toujours la même chose là, à dasher comme une... Je ne sais pas. Comme une pénible. Voilà. Ça allait. Mais le pire, ça va être l'attaque de celle qui... Ah, super. Oh, sans déconner. Mon truc, il va pas jusqu'au bout. Ouais! Allez, maintenant on rigole! Elle va arriver, elle va juste me faire check! Fini. Ben voilà, c'est dit.
Allez, on recommence. C'est la dernière. C'est la dernière, mais j'ai pas envie de partir sur deux parties qui étaient mais vraiment mais mauvaises. C'était mauvais. Ah ben voilà, un arbre. Avec un arbre, on peut aller loin. J'ai pas eu un seul crâne qui valait le coup, quoi. De la résistance et de la résistance. Mais filez-moi des dégâts, faites un truc. Oh là là, c'est pas compliqué. Je peux pas avancer avec juste des trucs pour survivre. Parce que je me prends des dégâts, quoi qu'il arrive. Tellement je suis mauvais. T'es mauvais, Jack, t'es mauvais. Là, je suis obligé de prendre des cartouches parce que de toute façon, j'ai pas d'attaque à distance contre eux. C'est insupportable! C'est le premier tableau, c'est déjà le bordel. Mais quoi? Mais je suis pas en dessous! Bon. J'aime bien le jeu, mais. Ça, dès le début, par contre, c'est oui de suite, quoi. En pleine partie, c'est situationnel, ça en début de partie, non, c'est très très bien. Je vais pouvoir en faire ce que je veux. Que ce soit physique ou magique, j'en fais ce que je veux. Ah oui, non, en plus, avec les couteaux... Là, je dis oui, ouais. En plus, vu que j'ai pris le fait qu'il ait de la vitesse d'attaque et de déplacement en plus, c'est très très bien. Donc on est parti pour le petit clown, qui deviendra notre Joker. Mince, j'ai raté. Mince. Oh, j'ai pris la boule de... Un peu bêtement, cela dit. Tchac, tchac, tchac. Oh, mince. Je pensais tout retomber sur la plateforme, et en fait, non. Parce que, je vous le répète, je suis ma vanne. Ah. Tu es ma vanne. M-O-V-A. Du critique, ça peut être bien. Ça, c'est chouette, les éclairs, je trouve. Ça fait de bons dégâts. Oh, bah t'es. Lanceur de couteau contre lanceur de shuriken. Ah, ah. Mais je vois pas ces clones. C'est quand même dommage. Au revoir, monsieur. Ouf. Ça aussi, je comprends pas que parfois ils te laissent le charme. Les dégâts magiques, on prend ça. Je comprends pas que parfois ils te laissent. Un petit orbe de 10 et parfois un orbe de 40 000. Je comprends pas pourquoi. Oh là! C'est bon. Trop de monde. Après, ça va, je résiste, mais... Il y a un peu trop de monde. Check, 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 check. Qu'est-ce qu'il est dur ce jeu. Oh. Même sur Isaac, j'arrive à faire des trucs mieux, même quand tes persos sont mauvais, quoi. Non, c'est pas vrai en fait. Quand il y a des persos qui sont mauvais, généralement il le reste un peu. Ah, oh, ça dépend en fait. Faut avoir la chance. Comme sur celui-là en fait. T'as la chance d'avoir un bon crâne au bon moment.
principe du rogue, hein. Être bon, déjà, et avoir un peu de chance. Allez, ça, le crâne d'eau, on l'absorbe, on va au magasin. On essaie de prendre un truc bien, ça, c'est pas trop mal. Et on se casse. Ouais, les âmes, c'est pas, ça peut être très très bien, ça peut très vite comboter, en fait. Tu vois, juste un item. Si ça combote bien avec ton personnage, bah tu peux faire des dégâts, ça serait très dingue. C'est comme avec le crâne de glace, j'aurais tellement voulu avoir l'objet qui crée des tornades dès que quelqu'un est glacé et ça se propage. Comme ça, oui, il m'attaquait jamais les types. C'est comme ça. De toute façon, on avance aussi dans le quartz noir, et plus on avance dans le quartz noir, et plus j'ai de chance après de me retrouver à l'aise, hein. À l'aise avec des nouveaux objets, des nouveaux crânes. Donc pour l'instant, je continue. J'aimerais bien aussi voir la fin du jeu au moins une fois. Voir ce que ça amène, est-ce que je vais gagner beaucoup de choses, est-ce que... Oh, c'est la faucheuse. Voyons voir. Mais elle est encore plus grosse que l'autre. Ouais, super. Bah écoute, moi pour l'instant, je suis parti pour faire ça. Ça peut être rigolo la faucheuse, c'est vrai, mais... Bon, je serai déjà un clown de niveau 2... en entrant dans la deuxième zone... de niveau 3, pardon, il est de niveau 2 de base celui-là. C'est pas mal en soi. On peut en faire quelque chose de bien. Super. Si on touche au bon endroit, ouais, ça peut aider. Aïe aïe aïe. Non, il fait de bons dégâts. Check 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 check. Check, 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 check. Ah, mais quel idiot! Mais oh! Ah, c'est marrant. Je vais pas me plaindre d'une collision ou quoi. C'est complètement ma faute. Check! Petit couteau! Petit couteau! On y a tous pensé. Super, des bottes merdiques! C'est dingue. Ah, c'est dingue. Filez-moi des bons trucs. Pourquoi des bottes caca, là? Bon, là, j'avoue que c'est pas sa meilleure forme. Ça y est, pas beau. Oh non, j'ai les cadeaux surprises. Aïe. Après, bon, les dégâts sont là, mais... Voyons avec les cadeaux surprises. Ah oui, ils sont meilleurs de niveau 2, les cadeaux. Non, c'est bon, les cadeaux, c'est pas nul. C'est fort que quand t'es... Oh, bordel de... Que quand t'es au niveau 2. Ça peut être fort. Parce que ça envoie plein de couteaux et ça fait pop ta passive. Allez! On y croit, des points de vie, ça serait bien. Des bons objets, ce serait bien aussi. Une bonne quintessence. Où sont mes corbeaux? Bon, après, elle est rare, ça. Enfin, elle est légendaire, donc oui, elle est plus que rare. Mais qu'est-ce que c'est drôle, les corbeaux. Je trouve ça très drôle qu'il y ait plein de soldats corbeaux qui te font... Ah, les dégâts sont là. C'est faut survivre maintenant. C'est faut survivre et apprendre à esquiver mieux. Et apprendre des bons objets aussi. Attends, c'est quoi ça? Le bracelet de mana de mage, le rechargement des compétences, non? Ouais, ça je viens, tu vois. La cape du lâche. Non, non, c'est pas bien, ça j'aime pas. Et la quintessence, je l'aime pas. Donc pour l'instant, c'est bien, on gagne aussi.
On gagne du fric petit à petit aussi. Ah! J'ai fait des bêtises. Oh. Fallait que je m'arrête juste devant. J'aurais pas pu passer derrière lui. Non, le jeu m'a dit moins. Non, prends un coup. Prends un coup, ça fait longtemps. Ça fait... Pardon. Mais il a déjà explosé, lui. Oh. Oh, ça c'est qu'il a explosé. J'en pof. Le mec meurt. C'est la combustion spontanée. Hop. Je repars vers des eaux. Ça serait bien d'en avoir 100 assez vite. Petit cadeau là, mais ouais. Non, les petits cadeaux sont bien. Je sais pas si... Mais c'est pas possible. J'arrive à le toucher. Il me faut de la vie. Donc faut être meilleur. C'est ça que ça veut dire. Ou alors avoir l'objet, dès que tu fais 3 morts, t'as un point de vie aussi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. On l'a croisé une fois, je l'ai pas pris. Ah ben c'est à cause de ça, le jeu a dit « Ah tu veux pas de ça ? Ben ça veut dire que tu l'aimes pas, donc on te le donne plus. » Et s'il vous plaît, donnez-le-moi. Donnez-moi des PV, un truc. Pam. Ah, le singe, c'est non. Allez, le mid-boss. Bon. Ça va. Je pense que j'aurais pu avoir pire. Ok, super. Là, j'ai pris 2 tirs gratos dans la tronche. Là. Oh, je l'ai raté. Au revoir. On s'en va. Vas-y, saute toi là. Voilà, fous-lui la paix à elle là, qu'elle soit toute seule. T'as essayé de la protéger. C'est beau. Ah non, je l'ai pas vu. Ça m'apprendra à faire le malin. Ok. Oh, la légion de la tempête. C'est les corbeaux. Oui, les corbeaux, oui. S'il te plaît, fais-moi une réduc. J'ai la carte étudiant. Pas du tout. Et un marché qui vaut le coup, là. Là, on veut ça, tout ça. Mais j'ai les corbeaux. Est-ce que mes corbeaux, ils scale sur mon attaque magique? C'est bon à savoir, ça aussi. Je pense pas. Dégage. Alors, toi, donne-moi un objet, s'il te plaît. Oh ! Ouais, 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 je veux ça, moi. Ah, je vais envoyer 20 000 shurikens. Oh là là, Jésus. Faut vivre, me faut tellement vivre. Je comprends même pas que ça soit perdable en fait là. Mais c'est pas possible. Si c'est perdable, c'est parce que c'est moi qui fais des bêtises comme d'hab. Non, là, si je perds, je... Oh, ça va être un rage qui est tellement fort. Ah non. Oh la vache, oui. Eh, là, les items commencent à venir et tout. Ah non, non, là, ça pue. Si j'arrive pas... Faut de la vie. Oh mon dieu, heureusement que t'es là, toi. Par contre, la cage, elle est en...
Oui. Prends. Ah, mais elle demande même pas de fric. Mais t'es la meilleure. Bon, que 15%, mais c'est déjà plus que zéro. Je suis trompé de ça. Juste à rester là. Non, non, je peux pas perdre. Pas après tout ça. Hein. Tiens, prends ça déjà. C'est quoi l'objet là-haut? Lorsque les PV descendent en dessous de 20, elle restaure 40 points de vie et disparaît après l'activation. Bon. C'est un truc qui permet de te, entre guillemets, ressusciter. Oh là là. Le voile de la prêtresse lance au hasard un buff. Un buff. Je peux en prendre qu'un. Et là, j'aurai Blizzard. Ça. Oh non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Oh. C'est bon. J'ai eu peur. Bon, allez. Là, on y croit. Mais genre, on y croit très très fort. Déjà, en plus de mon attaque de base, j'ai Shuriken qui passe. Ouais, ouais, c'est... C'est encore plus fort que tout à l'heure, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, j'avais énormément de vitesse d'attaque. Mais là, j'ai très 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 bon dégâts. Bon, je me concentre. Je veux vraiment gagner. C'était quoi, ça? Oh, ça m'a fait peur, le coup, ça. Ça, c'est pour avoir des os. C'est non. Ouais, non. Je vais pas m'embêter à avoir des os, sachant que j'ai déjà machin, là. Et en plus que je dois aller voir les princesses. Allez, ça va le faire contre elle. J'espère. Je m'en remets à vous. Donnez-moi la force, s'il vous plaît. Donnez-moi la force de les éclater très fort. Et de pas faire n'importe quoi. Ça y est, j'ai pris un dégât. Ah mais... Tu me les brises. Je lui ai mis un beau mini. Allez, suivante. Les corbeaux. Bah alors, on a pris Mivy. On aime pas ce qui se passe. Bah tant pis pour toi. Fallait pas m'embêter. Mince. J'ai pas vu les éclairs tomber. Et là, t'es obligé de le bouffer, c'est pénible. Bon, elle est morte vite, mais... Éclate-le très fort. Ah, ça c'est bien passé, mais il y a des attaques, tu peux pas les esquiver, à part si t'es vraiment dans le coin au gauche de l'écran. Bon, c'est dommage. De la vie. Crée un bouclier d'une valeur de 10 PV en se concentrant. Comment on se concentre? C'est ça que je ne comprends pas. Je sais pas comment on fait pour se concentrer. Qu'est-ce que la concentration dans ce jeu? Ça m'a jamais été expliqué, je fais comment moi pour savoir? Punaise. Oula, calmez-vous. Genre sans déconner, je fais comment? Moi je veux savoir!
Montre-les-moi. Tout ça. Là. Aïe aïe aïe. Il me faut de la vie. Non, non, non. Oh là là. Ah, j'ai fait 10 PV là, tombé. Ils sont où? Je ne sais pas. Oui, donne-moi quelque chose, oui. Ah non, c'est pour changer mes capacités. Ah bah je reviens avec la roulette et... Ah elles étaient pas mal mes capacités, j'avais oublié que... Un jour je saurai ce qu'ils font les gens, promis. Mais pas aujourd'hui, apparemment. Bon. Oh, un objet légendaire. Dommage. C'est pas quelque chose que j'ai envie. Allez, ça s'en va, ça. Ah, merci. La roulette. Ah, ok. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est son pote qui lui a pété au visage. C'est pratique, ça. On va la jouer vraiment... Comment on dirait? Ah, attends. Je vois des choses écrites. Certains crânes, comme Hunter et Warrior, ont des attaques et des compétences qui se chargent pour infliger des dégâts et ou des effets supplémentaires. Le temps qu'il faut pour charger ces attaques est ce à quoi la concentration fait référence. Une concentration plus élevée équivaut donc à des recharges plus rapides. Ok. J'ai enfin ma réponse, je te remercie. Tous les projectiles explosent au contact. Mais j'ai un truc qui fait plein de projectiles. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, ces chaussures, c'est non. Genre... Ben voilà, il y a tout qui explose maintenant en plus. Ben c'est parfait. Allez. Genre boum boum boum. Boum 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 boum. Aventure in my room. Biba di di bodoroshne. Non, t'invoqueras pas ton truc, toi. Yaaaaaah! Je sais qu'il y a un ogre qui m'attend là-bas. Mais il meurt jamais, le machin? Ah, ça y est. Quand je lui mets un coup de revolver à lui, blong. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pas vu la potion m'atterrir sur le nez. Non. C'est non. Non, non. Bye. Non. Non, non. Bye. C'est non. Au revoir. Allez, le mid-boss. Ouais. J'essaie de lui mettre tellement de dégâts à elle. La sœur là, la sœur. Ok. La sœur c'est fait. Je suis un peu plus tranquille. Super. Waouh, tellement de boules. Waouh. C'était trop bien! Ah, je l'ai raté. Après, c'est pas grave, hein, les boules de feu, c'est pas les pires à esquiver. Ok. Ça s'est plutôt bien passé. À part le début. non, 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 je veux des. Ah, je veux de bons items là.
On va enlever ça. Parce que je peux avoir des bonus assez intéressants. Genre des trucs pour prendre moins de dégâts, des trucs comme ça. Argent. Ah, je la joue vraiment tout petit là. Hein. Mon but c'est vraiment de passer la chimère. Comment? Je sais pas parce que je n'ai pas le. Je n'ai pas le. Comment ça s'appelle hein. Super, je suis enfermé. Bon, bah je vais mourir là. Hein. Non, tant pis. On fait ça pour éliminer ces satanés. Ah. Tant pis, hein. Merci les corbeaux d'exister. On va chercher un trésor. On attend tranquillement là. Qu'il se fasse bien éclosser. Super. On va se mettre là, hein. On va pas s'embêter. Mais c'est pas vrai, j'ai pas vu la fiole. Il y a de la vie là. Hop là. Mais il veut pas mourir le dernier, s'il te plaît. Fais un effort. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que ça? Les attaques critiques augmentent l'attaque magique pendant 3 secondes. Augmente le taux de critique. C'est pas mal. L'argent. L'argent parce qu'il va me falloir de la vie, il va me falloir plein de trucs. Le jour où je croise évidemment un marché. Et je pense que je vais pas en recroiser. Oh, c'est pas possible. Bon bah je suis mort. Hein. Ouais, ouais, on adore prendre des dégâts inutiles. Ça rend ma vie. J'adore. Mourir SVP. Merci. Oh, il y a de la vie. C'est bon, il n'y a plus personne. On peut monter. Tellement tendu, c'est insupportable. Ah, marcher, oui, oui. Oh, manger. Non. 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 Bon. Il me faut un peu plus de vie. Ah, je les ai pas vus derrière. Ah, je les avais pas vus. C'est dommage. Oh, de la vie. C'est bon, on peut y aller. Hein. Ouais. Non, non, merde. Non, non. Ok, c'est bon. Oh, non, non, il y avait de la vie, il y avait de la vie, il y avait de la vie. Vite, j'espère qu'elle va pas disparaître. Il y avait de la vie. Nice. Ok, good. Je peux prendre la vie. Bon, voyons si on a des meilleurs objets. Oh non. Non, 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 vite. Ok. Au moins, j'ai le bouclier. Oh, mais j'ai pris la... La fiole. Mais... Quoi? Il y en a un autre qui me canarde? Il est où? Il est là. Tu... Arrête! Oh non. Vite. J'arrive pas à les esquiver ces attaques là. Oh là là. J'avais de la vie et puis. Je me suis fait martyriser, oui.
c'est bon. On peut s'en aller. Le mec. Lors d'utilisation d'une compétence, crée un orbe de feu. Ah, c'est bien ça en vrai, mais je sais pas quoi mettre à la place. Ça, ouais, on va enlever ça. Bon, bah c'est le boss là. Allez, comment finir un stream en beauté? Bah sur un ennemi que je ne vais pas pouvoir tuer. Allez, on y croit. Hein. Pas trop, mais on y croit. Oh mais... Il n'y avait même pas le dessin comme quoi j'allais prendre la flotte sur la tronche. Mais là aussi, mais quoi? Mais... Bah, ça me saoule. Si je suis projeté à Babelwood les Bains, c'est insupportable. Mais... Je peux même pas les esquiver. Là, c'est marqué. Là, on reste par là pour éviter le poison. Ok. Ouais, trop bien. Mais... Oh, je peux refaire ça. C'est peut-être ça qui va me sauver. Les corbeaux. Cinq corbeaux pliés pour nous. Oh là là, mais c'est quoi ce beans? Allez. Je me refais pas avoir. C'est une grosse blague ce jeu, mais c'est une grosse blague. Bon, ben c'est tant pis. Comment tu esquives la suite? L'allée, j'ai compris, mais la suite, comment tu fais? Tu peux pas te mettre dans les alcôves là. Bon, faudra tester. Ah, mais j'avais encore tout pour gagner. Et l'ennemi a gagné de l'XP pour ta défaite. Ouais, merci. J'adore. Bon. On va se quitter avec l'achat des compétences. Et après, ben, moi je vais y aller. Les crânes d'équilibre, les crânes de puissance, les dégâts reçus, c'est pas mal. De 30, la vitesse de rechargement, des crânes d'équilibre. Pour les compétences, bah, c'est bien, mais je préfère ne pas prendre de dégâts si je joue un... Mince, je me suis trompé le bouton. Si je joue un type qui frappe fort, quoi. Ouais, pour la chimère, pour l'instant, je vois pas d'autres persos qui peut le faire à part le joueur et le clown parce que. Et parce qu'ils ont tous les deux des attaques à distance et que ben c'est très dur. C'est, j'imagine même pas avec un génie, avec même le boucher, enfin c'est dur quoi. Très très dur. On s'en approche, cela dit, hein. J'aurais survécu un peu plus longtemps et j'aurais pu utiliser ma quintessence à nouveau. Hop là, pardon, j'ai tué un moustique. Et je l'ai eu, donc tant mieux. Bref, j'espère que si je stream la semaine prochaine, normalement pour l'instant c'est bon, je serai là lundi prochain. J'espère que lundi prochain on le tombe. J'aurais bien voulu le tomber aujourd'hui, bon, bah... Pas eu de la chance et j'ai pas compris le pattern de l'acide. Donc je regarderai pendant le replay si on peut se cacher ou pas. Enfin, si je vois un ennemi passer en dessous ou pas des piliers. S'il passe en dessous, bah, je sais que la prochaine fois, j'aurai juste à me cacher en dessous et on verra. Donc sur ce, ben moi je vous dis à très très vite. Je risque de stream... Ben, j'ai bien dit peut-être. Peut-être ce soir, après Draken, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein. Ouais, voilà.
après Draken, je pense que je risque de faire un stream sauvage sur, sur Cookserve. À 21h, vous avez la fin de Rayman Origins avec Draken. Ça risque d'envoyer. Et puis au pire, ben moi je vous retrouve au plus tard, ben lundi prochain. Suivez-nous sur Discord, les réseaux sociaux pour vous tenir au courant du planning. Et à la prochaine, cordialement. Bisous.